J'ai pas d'usine. J'ai tout qui est en train de se réparer, infrastructure. Et salut à tous, c'est Gilles, on se retrouve pour la deuxième partie du live avec la Yougoslavie, la Roumanie et la Hongrie, avec un remplaçant pour Marc, puisqu'il n'était, il n'a pas souhaité continuer la partie. C'est le genre de truc qui arrive. Voilà, On se fait trop peur. je vais peut-être vous mettre l'image, ça pourrait être pas mal. Voilà, ça Ok. pourrait être pas mal. Donc je rappelle la situation. On a défoncé l'URSS, donc le Japon s'est fait plaisir. T'as regardé la République populaire de Chine qui est au Xinjiang. Sérieusement? Mais c'est le bordel cette partie. C'est n'importe quoi. Du coup, moi, juste avant la fin de la partie précédente, je m'étais fait attaquer par l'Italie, donc l'Italie, le Reich allemand. La Roumanie et la Hongrie sont en train de récupérer doucement après la Grande Guerre entre URSS. Et je vais mettre la vitesse 3, ça vous va? Ouais. Ça va. Parce que moi je suis un peu en guerre actuellement. Déjà, c'est déjà à 100%. J'adore l'Espagne qui attaque. Ah, qui essaye. Ouais, Oui, c'est un plutôt. peu ça, qui essaye d'attaquer. Ils sont courageux. Vite, vite! Oh putain, ils sont en train de me percer au sud. J'ai pas de fleuve au sud, vite des bunkers, des C'est bon, forts. ça passe. Des forts. Je fais des forts. Forts prioritaires. Ok. What the fuck, on se fait... Enfin, je rappelle que j'avais fait une ligne de forts à la frontière roumaine parce que le russe avait enfoncé les frontières roumaines. La frontière roumaine, c'était n'importe quoi. Bon, du coup, j'ai combien de pertes? Putain, j'ai quand même 37 000 de pertes. Ça fait Ouais, mais c'est beaucoup. des Italiens en face. Ouais, enfin bon, là, ils sont en train de prendre des pertes parce que, comme je me suis. Oh putain! L'Espagne qui a pris une région! Mais what the fuck? Ouais, mais ils se font percer au sud. Et Bonsoir ils sont Lucas et défusés, les bonsoir le Italiens. satanique. Hop, on va déplacer ça comme ça. Niveau recherche, je suis. Bah c'est Marc qui joue, donc tu récupères probablement l'état le plus pourri au monde. Ouais, je vois ça. Il va pas être content. Je sais pas s'il est sur le live. Il arrache quitte alors. Ah, quoique. Ah, même s'il est sur le live et qu'il est pas content, c'est son problème. Il a laissé ça en plan comme ça, c'est son problème. Voyons voir. Après, je suis peut-être un peu méchant de dire ça, mais comment dire. Oui, non. Ah, on va faire les avions, ça pourrait être bien ça, appui au sol. Est-ce que j'ai de l'appui au sol déjà? Non, c'est que des chasseurs. Alors ici, il y a les Vénézuéliens qui attaquent. Mais regarde combien il y a d'alliés quoi, sérieusement. Regarde tous les alliés que j'ai qui ont débarqué. Je sais pas, une centaine. J'ai pas regardé encore. Beaucoup. Des millions. Je suis en train de m'amuser à regarder Alors, l'arbre des. j'ai 14 divisions, 12 divisions françaises et une division grecque qui ont débarqué et qui n'arrivent pas à passer. Je t'avoue que les pauvres. Je vais mettre des forts. Ah oui, effectivement. Là, je vais les garder là, écoute. Hein. Ils vont Bah, je me s'épuiser à demande. force d'attaquer et puis. Je me demande à attaquer la Turquie en fait. Je me pose la question. La Turquie, je voulais la prendre, mais. Le Le peuple problème, c'est que arabe, t'as c'est aucun. Ah, ça m'obligerait à rentrer en guerre, surtout ça. pas. Le problème, c'est que j'ai pas de bateau, moi. Fais l'Iran, toi, à la limite. Ouais, le problème, c'est que si je fais l'Iran, après j'ai frontière directe avec l'orage britannique. Ah ouais. Bon, c'est pas très grave, c'est des montagnes en plus, facile à défendre. Ben, je laisse toute mon armée, du coup. Alors. Du Ah, je coup. peux produire des chars de niveau 3. Est-ce que j'ai assez de chars déjà? Oui. Les chars légers niveau 3. Allez, on est parti. Bah du coup, je vais partir sur les M34.
Et au niveau de l'infanterie, arme de niveau 4. Bon, si tu veux, je peux rentrer en guerre contre les Allemands là. T'es sûr? C'est Bah, de toute quoi? façon, il C'est faut quoi? bien. Fortifie. Et non. Derrière les fleuves, tu fortifies comme ça te fait des lignes de défense à la limite. Parce que les Allemands, ils ont. Trop de divisions à mon goût. Ouais, trop, voilà. Le Par problème, contre, c'est que. les Allemands. 215 de division. Par contre, là, Et... tu viens d'appeler la. Il vient d'appeler la Turquie contre moi, t'es sérieux? Hein? Oh T'es fou, non. toi, en fait. Mais non, mais j'ai rien pour défendre en Turquie, moi. T'es sûr que. Bah, T'es je sais sûr que la pas. Turquie. Moi, je vois Turquie en guerre contre moi, mais elle avance pas. Si, Non, ça parce y que est. moi, quand. Si, ça y est. Quelqu'un peut m'envoyer des divisions, s'il vous plaît? Moi, j'ai ma division sur le. Pour m'occuper de là. Comment ça se fait qu'il a appelé eux? Oh non, ils vont me rouler dessus, mec. J'ai rien en défense. Un live qui va être rapidement terminé. Ça risque, malheureusement. Est-ce que tu peux Un envoyer live. des. Est-ce que tu peux envoyer des divisions le roumain ou pas, du coup? Parce que je peux essayer de Il faudrait former que. des divisions en urgence, mais j'ai plus de manpower, c'est le problème. Ce que je peux faire, c'est lui déclarer la guerre et lui rouler dessus par derrière. Ouais, fais ça, fais ça. Essayez, en tout cas. Fais ça. Alors, j'ai des divisions qui vont arriver. J'en ai que 4. J'espère que ça va suffire. Alors, par contre, il faut le temps que mon armée se récupère. T'as une division, ouais, t'as une division yougoslave qui défend Bakou. Bon, on aura bientôt perdu les Espagnols. Ah bon? Ah oui. Ah ouais? Oh, je l'avais pas vu! Ils se font J'ai une martyriser. division ici, tu vas revenir. Ouais, aux portes de Madrid, c'est pas bon ce pays espagnol. Bon, ben maintenant, au lieu de parler espagnol, ils parleront allemand. C'est pas plus mal. Et ils rouleront en golf. En golf. C'est normal que j'ai plus accès aux options d'armée. Genre quand je clique sur une armée, je peux plus lui donner d'ordre. What? Attends. C'est pas normal ça. Là, il est en train de récupérer le territoire que tu as en frontière avec moi. En Ouais, bas, je vois donc ça. ça va être un peu compliqué parce qu'à chaque fois, il redéplace. Donc, Je suis en train de le contrer. Oh, il a pris mes forts au nord. Putain, fais chier. Mais je ce que je peux. peux faire. Alors, attends. Voilà, il faut vraiment que j'attende que ma. Oh, Que mon mec, armée soit en place et que j'ai j'arrive un de pousser. bug. J'ai un problème. Je peux plus. Quand je sélectionne une armée, j'ai plus les options de déplacement et de mobilisation de front. Ça, c'est problématique, ça. Depuis quand ça arrive, ça? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Et c'est un peu légèrement problématique là. Oh, l'espagnol qui est trop con. Regardez en France. Il y a toutes ces divisions en France, donc ils combattent pas l'allemand. Avec Alors leur là, manpower. actuellement, Lucas, on n'envahit pas, on se fait envahir. Oui, c'est. Ouais, Actuellement, ce n'est c'est pas le nous qui massacre en fait qui se envahissons. passe là. C'est le massacre. Je m'en tire pas trop mal parce que personne ne me tape dessus encore. Voilà. Et nous, on serre les fesses pour le moment. Bon, Franz, si J'ai. tu veux rentrer en guerre, c'est le moment. Bon, bah, c'est parti. T'appelles? Vas-y. Ah d'accord, ça marche pas. Bon, est-ce que mon armée, elle peut se C'est bon, manier c'est le bon, c'est cul bon. de se C'est mettre bon? sur la Ah, frontière? ok. C'est bon, j'ai des millions d'Allemands qui me chargent dessus, c'est bon. Chargé! Parce qu'en fait, moi, j'ai que des Italiens, c'est pour ça. Quoi? Du coup, tu vas La te prendre tous Turquie, les elle Allemands. demande un pacte de non-agression. Non. Oh, putain. Est-ce que je passe en fond de tiroir? Moi, je suis toujours en service militaire court. Mais passe en supérieur la merde. Mais je peux pas! Le problème, c'est que je gagne que plus 0,66 par jour et il me faut, pour passer en service militaire obligatoire, 187. Donc je suis pas prêt de les avoir. Et je me fais. Putain, je me fais rouler dessus ici. Mais tiens, la Roumanie rejoint plutôt la guerre contre l'Axe, tout simplement. J'ai un objectif de guerre contre la Turquie. Ouais, si tu. Après, t'auras que l'Italie, le Reich allemand, ils pourront pas te taper dessus.
tout. Je t'appelle, après tu fais, t'en fais ce que tu veux. Bah viens plutôt. Non, reviens là toi. Non, il faut les empêcher de passer. Putain, mais ils ont trop de troupes, les putains de Turcs là. Là, les Allemands osent pas trop pas tra... Oula. Osent pas trop passer la frontière. J'avoue. J'avoue, on dirait qu'ils sont ils sont en mode vas-y, est-ce qu'on essaye? Ils se disent peut-être tu vas attaquer. Ah oui, non, mais là, je suis prêt à attaquer. Non, attends, si jamais, ennemi. Reich allemand, Turquie, Italie. Bon. Oui, l'Espagne est nationaliste, mais l'Espagne se fait rouler dessus de toute façon. Dans ces Espagnols, mais quand même. Ouais, l'Espagne a 76 divisions, mais franchement, je sais pas où elles sont sous ces divisions. 28 qui se battent en France. Là où elles ne peuvent combattre. Il y en a Ah, probablement en sympa. Asie. Et les Alliés qui redébarquent à Cherbourg. Ouais, et il y a 20 divisions au Oh Japon. mec! Regarde, les Alliés ont débarqué en. Oh vas-y, j'attaque! Ça. Ils ont débarqué en Italie! Oh En putain, ça Italie. passe pas. Oui, bah évidemment que ça passe pas. Ah, ils ont carrément pris Rome, tu sais. Bon, mes divisions, elles se bougent de sortir de la Turquie que je puisse attaquer là. Le problème, c'est que si. Ah, voilà. Ah, c'est bon, maintenant ils vont enfin pouvoir se battre. Bon, les Allemands, c'est moi qui vous attaque ou Bon. pas? Par contre, moi j'ai toujours mon bug là, c'est horrible donc. Je sais pas comment le résoudre. Ok, chute de Paris, France libre capitulée. Ouais. Mais ça, c'est parce que t'as rejoint la guerre et du coup, les Allemands ils sont en train de prendre des territoires en France. Ouais. Territoire défendu par Ah! des Espagnols. D'accord. Un débarquement en Normandie. Ouais, je vois ça. Ah, par la France Encore libre. Je suis en train de la percer, la Turquie. un. Encore Et je suis complètement en train de la percer. un. Par contre, je vais mettre pause. On va. Je vais sauve. Oh, mais. Si. Je sauvegarde la partie, on va riost parce que là, j'ai le bug, je peux pas gérer mes armées. Ok. Hop. On va se faire rouler dessus. Hop, je rehost parce que là c'est pas possible. Je suis pas Ok, donc d'accord. on quitte. Ah ouais, vous pouvez quitter. Hop, on va héberger. Pas Mot de convenu. passe. Celui de tout à l'heure. 26. Hop. Charger la. C'est bien celle-là? Putain, je sais même plus si c'est celle-là. Yeah, mon dieu. Franco, j'en sais rien, il a dû s'échapper, il a dû partir. Il n'est plus là. Il n'est plus. Paix à son âme. Il s'est fait rouler dessus. Comme nous, dans pas longtemps. Un Non. peu. Et on a tenu face à l'URSS. Ouais, j'avoue. J'avoue qu'on a passé une game entière à résister contre l'URSS en Roumanie, et puis après on lui a roulé dessus, mais violent. Mais après, ça veut également dire qu'on n'a pas affaibli l'allemand avec l'URSS. Voilà, aussi. Donc t'as un allemand chaud comme la braise qui nous. Non, nous ne sommes pas membres de l'Axe, nous sommes membres de l'Union Balkanique. Je vais leur montrer ça après. Bon, je vais Union ciao. Balkanique qui comprend l'Espagne, le Japon, toutes les dépendances du Japon. Ouais, parce que le Japon fait partie des Balkans, comme tout le monde le Voilà, sait. c'est comme tout le monde le sait, le Japon est situé ici. Et Et on est pas du parti. tout là où il faut le Japon, en fait. Alors, je vais leur montrer. Hop, voilà, l'Union Balkanique, c'est ça. Il reste le Comintern, c'est le Tanutuva. Lol. Elle est bonne celle-là. Bon, remettre le temps. Mais qu'est-ce que fout Ah, la c'est bon, j'ai République retrouvé mes encore? armées. Ouais. Oui! Non, 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 toi, tu vas pas là. Oui, j'ai fait une poche. Putain, j'en ai une, elle est complètement à l'autre bout.
Mes armées sont un peu désorganisées, mais je continue de foncer. Donc du coup, en fait, je te rends ton territoire. C'est toi qui... C'est... Vu comme ça part, c'est toi qui récupérera le territoire. Wow, j'ai un putain de freeze. Ouais, pareil pour moi. Je pense que... qui c'est qui a crash? Je sais pas. Le jeu a pas apprécié le réel. Ah, d'accord. Ok, t'as français. Ah. Pourquoi? Allez. Tu sais pourquoi? Parce que l'Allemagne vient de faire, l'Allemagne vient de conquérir les derniers territoires qu'elle avait pas pu conquérir, du coup elle vient de faire l'État français. Qui est en train de, je sais pas. Et il se bat contre la France libre. Et t'as les poches d'Espagnols dans le tas. Putain, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mon dieu. Ça paraît logique. Ah. L'Inde est en train de faire l'Inde. Oh. L'Inde va-t-elle quitter la guerre? Assisterait-on à la fin de l'Inde? Est-ce qu'on peut tenter? Non, pas... je peux pas attaquer, moi. J'aurais tellement préféré jouer le Japon, moi, c'est horrible. Je fais de la campouse, en fait. Bah nous, on attend des Allemands qui veulent pas venir. J'avoue que les Allemands, là, c'est pas top ce que vous faites. Hein. Moi, je fais des bunkers. Bah, je suis en train de réparer autant que je peux mes usines. Bon, vous savez quoi, on va attaquer un ça peu passe pas. Ah, mais c'est qui attaque? C'est le Venezuela. Okay. Allez, mettez les voiles, les divisions turques là, que je finisse de vous rouler dessus. J'avoue qu'il a, il a la moitié de son armée qui est. Ah, ils sont partis! Ils sont partis vers chez toi! Oh merde, et j'ai que 48 divisions moi. Ils en ont pas beaucoup de divisions. Ah bah déjà je vais en buter. Ils ont moins de divisions. Dis-toi qu'ils ont moins de divisions que toi. Ah bon, ça va. Ça veut pas dire qu'ils sont pas vénères. Hein. Oui, ça veut pas dire qu'ils sont pas vénères. Mais dis-toi que t'as une supériorité numérique au moins. C'est déjà ça. Au moins. Déjà, il y a une division qui va se barrer parce que j'ai fait une poche. Mais qu'est-ce que je fasse contre ça, quoi? Les Allemands, là où j'ai une division, ils en ont quatre. C'est un peu compliqué par contre là. Bon bah reprenez la ligne. Hein. Mon dieu. Les Allemands sont un poil trop nombreux. Un peu. Ouais, il est en train de faire des divisions blindées. Tu arrêtes les divisions blindées. Il est en train de faire 3 tonnes de divisions d'infanterie, c'est hallucinant. Attends, 30, il en fait 60, il en fait... Allez, boum! Je vais encercler une division, elle va mourir. J'ai détruit 3 divisions là, direct. 4 divisions. Non, je peux pas aller là. Ah, il a fait revenir des divisions. J'ai avancé un peu sur son territoire du coup. Ah, ça y est, je commence à voir les troupes allemandes à ma frontière. Et je sais pas pourquoi ils avancent pas les Allemands, ils ont peur de toi ou quoi, Franz? Non, mais à mon avis, ils veulent finir les Espagnols tranquilles. Ouais. C'est pas con, autant finir un front tranquille pour avant d'attaquer l'autre. Par contre, si je passe au sud, au niveau de la Turquie, je passe pas au nord. Hein. Alors fais gaffe, oui, parce qu'au sud, tu vas avoir un territoire... Ah non, c'est vrai que t'es pas en guerre contre le... ça va, non, je suis en guerre juste contre la Turquie. Pour l'instant. Ouais, fais gaffe parce que quand tu vas avancer, c'est mon territoire qui va... Au pire, je te filerai les territoires, comme ça l'axe et les alliés pourront pas débarquer. Du coup, là, c'est toi qui... Bah, je suis en guerre contre les alliés. Ah merde. Oui, je suis en guerre contre Royaume-Uni, France libre, Afrique du Sud, Grande-Bretagne, Malaisie-Britannique, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, contre les alliés. Putain, j'ai plus de manpower, quoi. Bon, ça passe. Alors, ici ça passe, après ça va être problématique. Ça j'ai 13 divisions contre moi. Pour pouvoir les éliminer le plus possible. Bonsoir, merci. Monsieur avec le nom imprononçable. Désolé, j'arrive pas. Non, mais c'est du coréen ou du chinois et j'arrive pas. Non, nous sommes pas l'ami de la France libre. Absolument pas, nous sommes en guerre contre la France libre.
France libre et la France de Vichy. Moi, je suis en guerre contre les deux, de toute façon. Ouais, mais moi aussi, je crois. Non, je suis pas en guerre. Ah, si, la guerre de France de Vichy est là. On est en guerre contre les deux France. Voilà, ça au moins. Pas de jaloux. Ah, le problème, c'est que je vais avoir une frontière directe avec l'Italie aussi. Et je suis en guerre contre l'Italie. Ah, t'es en guerre contre l'Italie? Bah oui, à partir du moment où j'ai rejoint ta guerre contre la Turquie, je suis en guerre automatiquement contre l'Allemagne. Ouais, mais moi je te vois pas en guerre avec nous. Donc t'es pas en guerre. Ah si, moi j'ai en guerre contre Turquie, Reich allemand, Italie, France de Vichy. Ah, oh, mais en fait t'es pas dans la même guerre que nous. T'es pas fusionné dans la même guerre. Attends, on va la faire fusionner, ce sera pour ça. Parce que pour moi, t'es... je peux encore t'appeler. Non, j'ai deux guerres différentes. Ouais, voilà, ça y est, ça a fusionné. Voilà. Donc là, en fait, par contre, du coup, toi, tu pourras essayer de remonter par l'Afrique après. Oh non, j'ai un débarquement. Oh putain. Vite. Putain, je suis en train de me paumer dans mes trucs là. Vite, vite, faut arrêter les Espagnols avant qu'ils me roulent dessus là. Les Grecs avant qu'ils me roulent vraiment dessus. Ici, on va faire. Même pas ce que je vais faire. Il n'y a plus qu'à espérer que les Italiens se fassent assez rouler dessus par les Alliés. J'avoue. On va faire char sous licence. Oh, et en plus, j'ai de la résistance, je perds des usines sans arrêt. Ah, c'est moi c'est pareil, c'est juste trop parce que. Genre, je produis plus de chars. J'ai des problèmes de ressources, ok. Parce que je peux pas les taxer à quelqu'un, ces putains de ressources. Ah ok, le Japon est passé en... Ah, mes convois passent plus au Japon. D'accord. Oh, vous allez me tuer, oui. Division à la con, finissez de me les massacrer. Hop, j'aurais espéré. Toi, tu reviens là. Bah, ils campent là, regardez. Ils campent à Istanbul. Ouais, on verra si on crée. Le problème, c'est que la Turquie fait partie de l'Axe. Donc, tant qu'on n'aura pas fait capituler les Allemands, on pourra pas créer d'empire quoi que ce soit. Ah, c'est bon, je me bats contre les forces italiennes. 3v3, je suis en train de les massacrer. Alors, vous retournez là. C'est bon. Désengagez-vous. Hop, allez là. Les Italiens qui se massent à la frontière avec moi. Après, je suis derrière un fleuve, donc j'ai l'avantage. Bon, c'est pareil, vous voyez ici, on est planqué. On attend. Ils doivent essayer de finir les Espagnols. Ils arrivent pas à finir les Espagnols, hein. Putain, mais. C'est qui. Ok, les États-Unis sont en train de vouloir m'attaquer. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Ah, c'est très bien ça. Ah oui. Pas comme si on était déjà assez dans la merde. Ouais, c'est ça quoi. J'avoue. On est pas assez dans la merde, mais il faut qu'ils rappliquent en plus. Ils sont pas déjà en guerre contre nous, les États-Unis? Et ils font peut-être pas partie des alliés. Si, ils sont en bas. Ils ont 13 000. Oh putain! Ils ont 457 à 495 divisions. Oh putain. Ah non, ça c'est les usines. Excusez-moi. Faut qu'on fait plus ça, hein. Ils ont 275 à 349 divisions. Ouais, bah quand même. Ce qui reste quand même beaucoup comparé à nos petites divisions à nous. Mon dieu. Coréen, c'est du coréen, ok. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais éventuellement essayer de percer? Bon, percer, c'est de la campousse qu'on fait, donc j'ai envie de dire. Hein. Je suis en train de faire des bunkers pour vous dire. Les Allemands qui ont peur de nous, on aura tout vu. Moi je dis, si on attaque pas et qu'on laisse les alliés faire, il y a moyen qu'on roule sur les alliés après. Enfin, je suis même pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Parce que les Américains. Ouais. En plus, c'est les Américains qui. Ah non, c'est la France qui a débarqué. Putain, la France elle a repris Paris. Bah. Alors que les Allemands venaient de la prendre, quoi. Ouais. Ah ouais.
Je vais pas vous dire. Moi, je suis aux portes d'Ankara. Alors, j'aime bien parce que toi, t'as aucune division en face de toi. Par contre, moi, ils m'ont foutu 14 divisions, 15 divisions dans les dans Istanbul. Je ne peux pas avancer. Ben, écoute, hein, je vais prendre Ankara. Ça va lui couper l'herbe sous le pied. Bah, écoute. Je suis en train de procéder des divisions italiennes au passage. Sur les ports. C'est bon. Oh putain, il y a un débarquement ici. Ils sont sérieux là? C'est bon, j'ai encore un. Ok. Du coup, ça aura combien de capitulés la Turquie? Bientôt. Et ils retirent pas leur division d'Istanbul. Faites comme vous voulez, les mecs. Hein. C'est pas moi qui vais. Eh, les mecs, ils ont même pas débarqué sur un port quoi. C'est-à-dire qu'ils ont déjà de l'attrition. Ah les cons. On va les attaquer avec toutes nos divisions dans le coin. C'est étonnant quand même que les Allemands veulent pas avancer. Le Brésil n'est pas en guerre. Ah. Non, non. Non, Lucas, le Brésil n'est pas en guerre. La question, c'est pourquoi il le serait. Mec, il est un peu fou, lui. On a déjà assez de pays en face de nous, on va pas rajouter. Hein. Putain, mais c'est pas, c'est moi ou il a foutu toutes ses divisions contre moi, le Turc. Je vais charger et puis je vais le prendre à revers. Et j'ai l'impression que oui, effectivement. Parce que toi, t'as plus rien à part des Italiens. J'ai l'impression qu'il est un peu con, effectivement. Oui, t'as vu, il a tout à sa frontière avec moi. En même temps, moi je suis sur sa capitale, donc c'est peut-être pour ça qu'il a mis. Ouais aussi. C'est peut-être pour ça. Ouais, on envahira la Crète quand on aura peut-être une flotte un jour. Hein, moi j'ai deux bateaux, j'ai. Voilà. Non, j'ai trois destroyers. Est-ce que j'en ai moi des bateaux? Non. Ah ben voilà, comme ça j'ai pas de bateau, donc comme ça le problème il est réglé. Je fais du destroyer et du croiseur léger. Moi ils viennent de prendre mon seul port les Allemands. Ah. Comme ça au moins, oh ben, le problème des débarquements est réglé. Oh, on peut voir ça comme ça. Mais ils ne veulent toujours pas attaquer, mais je ne comprends pas. Ils ont toujours pas fini l'Espagne. En plus, ils ont un débarquement à gérer en Normandie. Ce qui est en soi... Ouais. Et l'Espagne, elle s'est pas rendue encore. Hein. Non, l'Espagne résiste. Par contre, ton territoire est beaucoup plus grand maintenant. Ouais, j'avoue. Ça me fait encore plus de territoire à défendre. Ouais. Bon, du coup, on va prendre ça à revers. Ah, ils se réveillent les Turcs. Ah ouais, j'ai vu, ouais. En même temps, ils vont se prendre 50 divisions qui a bouffé leur pays dans la gueule. Enfin, peut-être qu'ils se réveillent deux secondes. Quoi. Mon armée est encore assez bien organisée, donc ça va. D'ailleurs, je suis en train de faire les tanks à mort là. Le problème, c'est que je peux pas les produire. J'ai plus de manpower déjà. Et en plus, je produis à peine les tanks. Je produis même plus de trucs motorisés. Je vais arrêter de produire des avions. Voilà. L'anti-char, je peux même pas les faire. J'ai même pas assez d'usine. Là, on va complètement les encercler. Là. Bon, si le reste de mon armée pouvait attends, je vais attaquer avec toi. Ah, moi ça passe de mon côté. Et il a plus de divisions que moi, mais ça passe. Et il y a encore la moitié de mon armée qu'il faut qu'elle arrive. Oui, voilà. Est-ce que je peux faire autre chose? On va faire ça. Alors d'un côté je suis en train de gagner, de l'autre je suis en train de perdre, c'est comme ça. Mais prends simplement le reste du pays, il va capituler tout seul. Pas besoin de perdre des hommes en attaquant. Ouais, mais si je peux l'aider à soulager la pression, ça va être pas bon. Ouais, c'est bon, c'est passé dans le vert. C'est dans le vert aussi de mon côté. Ouais, bon, 60 jours c'est un peu long, mais c'est dans le vert. En temps, 47 contre 18, hein, les mecs. Ouais, j'avoue. Vous êtes légèrement en surnombre. Un petit peu. Et j'avoue que les Allemands ont pas avancé. Non. Mais ils veulent pas, ils ont peur.
Mais l'Espagne, elle résiste à mort. Ils sont à combien, l'Espagne? 91%. Ils ont encore des divisions. Ils ont fait plus de parts de la guerre que presque nous tous, quoi. Même s'ils ont perdu beaucoup d'hommes inutilement. Ça doit être ça. Allez, allez, on attaque. Ouais, l'Italie est en train de se faire défoncer par les Grecs, effectivement. Ah bah c'est bien ça. La France a débarqué en Sardaigne. Les Grecs ont repris Rome. Ils sont en train de remonter. Ils sont en train d'arriver en France de Vichy. C'est n'importe quoi cette réalité historique. Ouais, et l'Italie qui a toujours autant de divisions à ma frontière et qui laisse. Ça aussi quoi. Elle a toutes ses divisions à ma frontière. Par contre. Elle laisse les alliés lui rouler dessus sans combat. Il y a plein de divisions allemandes aussi, d'ailleurs. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, il y a quelques divisions allemandes sur ma frontière. Après, tout le reste, c'est sur les frontières avec la Hongrie. Pourquoi pas. Par contre, le Japon... Mais qu'on voit en fait, ils arrivent plus. Moi, j'ai pas de problème d'approvisionnement. À qui est-ce que je pourrais acheter des ressources? Bah, en fait, à part à la Hongrie où je peux en acheter un peu et au Japon, bah, le reste. Ah, je peux essayer la Suède. Ouais, ça marche la Suède. Ok. Ah, ok, on passe plus à Istanbul. Allez, la victoire va être nôtre. Putain, on n'arrive plus à passer. Moi, je suis en train de fortifier ma ligne là, en attendant l'attaque allemande. On construit des forts tout le long. C'est à peu près la même chose que je fais. Je suis en train de faire des forts partout. Donc, moi, on regarde la taille du front. Oui, j'avoue, toi aussi. Toi... Moi, c'est... Il a remis ses divisions contre moi, ça passe plus ici. Ouais. J'arrête d'attaquer moi. Mais je vais au moins attendre que mes divisions récupèrent l'organisation. Ouais, je vais d'aller prendre les villes parce que. Ouais, prends les villes, la Boursa, Antalya et Izmir, ça devrait le faire capituler. Ils me détruisent toutes mes usines, quoi. Ah, je pourrais produire des bateaux. Pourquoi est-ce que j'ai des divisions qui vont ici? Produire des convois, si j'ai pas assez de ressources, ça sert à rien, quoi. J'aurais essayé, mais bon, aucune, voilà. Est-ce que j'ai des divisions avec des chars dedans, au moins? Question intéressante. Et je me dis, je produis des chars, mais... La question c'est est-ce que j'ai des divisions avec des chars? Et la réponse a l'air d'être non. Donc on va arrêter de produire des chars. On va plutôt produire des véhicules motorisés, parce que là j'en avoir besoin. Je fais des usines. Voilà. On va faire ça, ce sera plus simple. Hop. Par contre, du coup, il est en train de... Ah oui, du coup, il est en train de partir de Istanbul. C'est ça, barre-toi. Rentre chez toi. Et du coup, je vais égaliser, là. Quoique, il va avoir plus que 6 divisions. Faut que je bloque, quand même. Je veux pas dire, mais quand même, l'Italie a quand même 200 000 pertes, la Turquie 240 000. Face à nous, c'est l'Espagne qui a la 380 000, quoi, quand même. Allez, j'attends que cette division se retire.
Ils ont toujours pas capitulé. Putain, mais non, ils sont résistants, ces putains de Turcs. Ils prennent l'Izmir. Ah si, j'ai des chars là. Je viens de voir que j'avais des chars. C'est bonne celle-là. Vous allez là, vous. Oh, ça passe plus ici. Ils sont trop retranchés en fait. Ah si, ça y est, ça repasse dans le vert. Je commence à avoir des problèmes de d'attaque là. On va changer la couleur de E là, parce que sinon je vais me confondre systématiquement. Voilà. Merde, j'ai retiré le. L'axe c'est pas rangé du côté des alliés. Ils se battent en fait. En fait tout le monde se bat contre tout le monde, c'est le merde, c'est un merdier pas possible. Ouais, je vois ça. Mais l'axe ne s'est pas rangé du côté des alliés, puisque l'axe est en train de se prendre un débarquement de la France, de la Grèce. De la France en Afrique. Le Royaume-Uni a repris Gibraltar. Suez, donc ils sont pas de leur côté. Je dirais même qu'ils ont eu tendance à vouloir trop s'étendre, du coup c'est un peu merdier pour eux. Par contre, ils vont se rendre, oui, c'est pas possible. J'avoue que là, tu peux charger sur Istanbul, hein, je pense. J'attends que mes disons récupèrent de l'organisation. Et là c'est bon, j'attaque. Ça y est! Oui. Bon, y a plus de Turquie. Eh bah putain. Bah du coup t'as rien tout. Tu veux que je t'enfile un peu? Du coup t'as tout récupéré quoi. Putain, j'ai récupéré des ressources. Je peux produire. Mon dieu. On va faire des anti-chars. Ouais, je peux pas en produire. Mes usines sont pétées en fait. C'est pour ça que je peux pas les produire. Contre qui je suis en guerre du coup? Je suis en guerre contre l'Italie. Bah, on va continuer. Ah, je vais prendre les îles grecques là qui traînent. Sérieusement, je peux pas passer le détroit parce qu'il y a des putains de bateaux qui empêchent de passer. Non, mais je suis obligé de faire tout le tour. Putain. Je crois pas. Fais gaffe parce que du coup, les Turcs te retirent pas trop parce que les Turcs ils reviennent. Ils reviennent à la charge par les îles. Ah putain. Faut que tu prennes les îles et faut que aussi que tu fasses attention aux Italiens au sud. Ah oui, c'est vrai qu'il est. Merci pour ton abonnement, Titi. Remarque les Italiens en bas, je peux continuer à essayer de pousser par là. Oui, les Italiens, t'envoies quelques divisions, tu pousses facile en Afrique. Hein. Je vais scinder mon armée en deux. Ah, j'adore les Grecs qui débarquent dans des zones où il n'y a pas de port. Ça, je peux détruire leur division, c'est pas mal. Bien. Alors, je vais récupérer ça et tu vas revenir là après. Hop, voilà. Alors, je vais peut-être pouvoir passer bientôt en service militaire obligatoire. Aider. Il manque des véhicules motorisés. Bon, mes troupes doivent faire tout le tour pour. Merci Skyevor pour ton abonnement. Non, je ne suis pas communiste, je suis fasciste. Et non, nous ne sommes pas alliés aux États-Unis. J'aimerais bien, mais malheureusement, non. Genre, l'Italie a filé des régions à l'Allemagne, qui était sous son contrôle. D'accord. Pourquoi pas? Why not, écoute. Alors j'ai trop de trucs. Demande d'importation non satisfaite. Ah, la Hongrie qui est en train de diminuer ses. Bon, faire l'armée de l'air, écoute. On va les envoyer là. Toujours plus de divisions ici.
Merci Loïc Perrault pour ton abonnement. Oula. J'ai parlé en même temps que je me bouchais le nez. C'est un peu horrible. Oh, en plus, j'ai mes convois qui sont attaqués, quoi. Ah, les Grecs, ils ont débarqué à Antalya! Là, j'ai mes divisions, elles doivent faire tout le tour, quoi. Ils sont méchants, les Italiens en Afrique, ils veulent pas me laisser passer. Je leur ai rien fait, pourtant, je fais juste que les attaquer. Je ne fais que vous attaquer, chers amis. Rien de bien méchant. Mec, regarde, les Pays-Bas, ils ont débarqué, la Belgique a débarqué. Merci Paradoxal pour ton abonnement. Allez. Il n'y a plus qu'à attendre que les Allemands gardent ouais, son ouais. front. Et puis les Italiens qui restent au front, mode YOLO. Ah, les Grecs sont en train de perdre du territoire en Grèce, ah, en Italie. L'intérêt bien de faire quand même, c'est mettre toutes mes divisions au nord, vu que l'Allemand attaque pas. Comment? Mettre toutes mes divisions au nord, vu que l'Allemand attaque pas. Ouais, mais fais gaffe, parce que s'il attaque pas et tout d'un coup il décide d'attaquer. Ouais. C'est la grande question. Est-ce que... Alors, j'ai pas de réserve. J'ai plus d'hommes! Je ne peux pas recruter d'hommes. En plus, je descends sans arrêt, quoi. J'ai affaire à un magnifique bug, moi. Parce que quand j'essaie de jongler entre toutes mes usines, j'en enlève d'un côté, mais elle se rajoute pas d'un autre côté. C'est-à-dire que je suis tout le temps à 59 sur 59 et je peux les rajouter d'un côté ou de l'autre, ça changera rien. La Grèce qui débarque au sud de l'Italie. Il débarque partout, ça y est. Putain, mais l'Espagne qui a toujours pas capitulé, quoi. C'est des fous, les Espagnols. Et je comprends pas pourquoi les Allemands, ils avancent pas. Les mecs, ils ont des putains de chars. En face, c'est de l'infanterie, ils ont pas de matériel. Pourquoi vous avancez pas? Oh, mais cherche pas. Peut-être que mes divisions vont finir par arriver un jour. Ok, il y a des divisions de toutes les nations ici, vous allez foutre le camp. Ouais, il y a des Belges, il y a des Grecs, il y a des Allemands, des Turcs. Bon, y a de tout. Vous passerez pas par là, c'est pas la peine. Par contre, effectivement, ce qu'on me suggère, c'est de tenter un coup d'État aux États-Unis. Flore. Allez. Allez, moi j'influence. Hein. Et Royaume-Uni aussi. Ah, mais j'ai plus avoir de manpower moi. Garde tes points pour ton manpower. Alors je peux passer en service militaire obligatoirement. Ah oh, oui, j'ai chopé 140 000 de manpower. Ah, c'est bien. Bon, bah du coup, bah, j'influence l'Angleterre un peu pour le fascisme. On verra bien ce que je pourrais en obtenir. Parce que moi, je peux financer. Mec, j'ai 86 000 d'armes légères en stock. Donc, je peux largement influencer un coup d'état. Non, mais j'ai 90 000. En fait, mes stocks sont bons, hein, franchement. Étant donné que je me bats pas trop pour l'instant, que les Italiens, ils restent planqués. Les Italiens, ils ont plus de matériel, quoi. Je pourrais même tenter... Ouais, même pas, ça passe pas. On va tenter la folie. Et ici, bouchon, quoi. Mes divisions arrivent! À revers! Vas-y, me gonfle ces bateaux anglais là.
J'avoue, on peut toujours pas passer le détroit, quoi, des navires... Oh, mais ça c'est juste un... Du coup, j'ai toute mon armée qui est sur l'île de Rhodes, à part une division. Ah, on va éliminer une division belge. C'est bon, mon armée est repassée. Bon, du coup, je monte en tas. YOLO Banzai. Voilà, bon, on va finir par les éliminer. Je suis en train de récupérer les îles grecques qui traînent par là. Comme ça, au moins. Bien. Ils auront ça en moins pour débarquer directement sur notre territoire. Putain, l'Italie qui a 65% de capitulés. Et qui a toujours toutes ses armées contre moi. Et en Afrique. En Afrique, ils vont perdre leur port. Tu vois, ils vont se retrouver dans la merde. En Afrique, je vais envoyer le reste de mon armée en Afrique pour m'en occuper parce que sinon ça va être. Ouais, je vois ça, Audrey. Elle se focalise sur un seul front. C'est un peu idiot, mais bon. C'est une IA aussi. Hein. Faut c'est pas, une IA après, voilà. Faut pas se leurrer, faut juste dire que c'est une IA, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Un vrai joueur aurait pas fait ça. Bon, en fait, un vrai joueur aurait déjà fini. Mais regarde la France libre, mec, la France libre. Mais what? Un vrai joueur aurait déjà poussé partout en fait. Ouais, c'est ça. Parce que l'Allemand a des divisions bien meilleures que les nôtres. Ça, et puis après, ils sont en supériorité numérique, mais à 3 contre 1 quoi. L'Allemagne, elle arrive pas contre l'Espagne, c'est hallucinant. Ouais, c'est pas qu'elle arrive pas en fait, c'est qu'elle attaque pas. Visiblement, c'est des Américains en France. Je vois des B-17 au-dessus de Strasbourg. Ah ouais, aussi. Effectivement. Ah, et puis il leur roule dessus là. Les Allemands, ils sont en train de dégarnir ton front apparemment. Non, même pas. Non, pas du tout. Je comprends pas trop l'idée là, tu vois. Bon, j'ai fini de prendre les dernières îles qu'ils avaient là. Et je vais faire revenir. Mais... Oh, j'ai fini les recherches atomiques. Bah, du coup, il reste plus Kéraclion à prendre. Ah ouais, mais là, j'ai pas de bateau pour débarquer, c'est le problème. Moi, j'ai 400 convois. Mais j'ai en tout et pour tout 4 destroyers qui attendent à la base dans la mer Noire. Le problème, c'est que si je regarde la supériorité navale ennemie, ils ont... C'est la flotte anglaise, hein, donc... Ah, ils ont que 2, ils ont que 4 navires présents en est de la Méditerranée. Donc clairement, un débarquement, ce serait possible. Hein. Ils ont combien de bateaux, les Turcs? Alors là... La Turquie. Turquie. Ils ont un bateau, mec. T'as 4 navires, tu dis? Ouais, mais c'est dans la mer Noire. Dans la mer Noire. Les navires de la Turquie sont dans la mer Noire. Et c'est eux qui empêchent de passer. J'en vois donc mes 4 destroyers qui servent à rien. Banzai. Ok, on va tenter un truc en... Oh, laisse tomber, je débarque pas en Turquie, là. C'est pas possible. moi, je pourrais y aller. J'ai suffisamment de convois, mais... Après, j'ai assez de convois. J'en ai 99. Le problème, c'est que ça va être la difficulté, ça va être pour débarquer, quoi. Je crois que j'ai des divisions qui sont arrivées. Quoi, j'ai même pas la technologie du débarquement, t'es sérieux? En même temps, pourquoi je l'aurais fait, c'est la question. Oui. À l'époque, voilà, je pense que tu te disais pas qu'il fallait que tu débarques. On va attendre. Dans 6 jours, j'ai fini les armes de soutien 4, donc je vais pouvoir faire les trucs de débarquement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va diviser par 2. Ah, tiens, les Canadiens qui essayent de débarquer chez moi. Audacieux. Mais ça ne suffira pas. Ils ont attaqué de division, les... Ils ont réduit. Les Anglais, là. Oh, mon Dieu, le Reich allemand qui se fait rouler dessus, mec. Mais, oui. Le problème, c'est qu'on est les suivants, en fait. C'est ça. C'est qu'en fait, il va falloir qu'on défende. Maintenant, ça va être de la défense. C'est parti, c'est que de la défense.
Qui est membre des Alliés? Alors, les Alliés, tu as la Tchécoslovaquie, tu as le Royaume-Uni, la France libre, l'Afrique du Sud, les Malaisie britanniques, le Raj britannique, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, les Pays-Bas, le Luxembourg, les Néerlandaises, la Belgique, la Grèce, la Norvège, le Danemark, la Lituanie, les États-Unis et les Philippines. Non, mais t'emmerde pas, c'est la moitié du monde. Voilà, oh, je vais te mettre. Voilà, tu vois les Alliés. C'est tout le rose. Voilà, voilà. Ah, les Italiens qui tentent d'attaquer chez moi. Vainement. Alors, vous, vous allez préparer un débarquement aussi sur Héraclion. J'espère que ta flotte va pas se faire défoncer. Surtout. J'ai 4 destroyers, hein, c'est tout ce que j'ai. Il y a eu un combat pendant une semaine. Ah putain, il y a 17 à 18 navires. Oh, chaud. Ok, les Allemands sont trop forts, on oublie toute tentative d'attaque. Ah oui. Non, la Hongrie ne peut pas attaquer l'Allemagne. Elle est comme moi, la Hongrie, elle a pas ses divisions. Mais j'ai tenté avec une petite attaque, mais deux divisions blindées qu'ils ne peuvent pas percer, c'est-à-dire ils peuvent pas détruire. Attends, les je peux peut-être tenter un truc mais sur les Italiens. Ils arrivent quand même à nous abattre. Je peux peut-être tenter un truc sur les Italiens, moi. Tu es les ces divisions italiennes. On va prévoir un assaut. Au moins récupérer mon territoire de base, ça serait bien. En fait, je pense qu'en fait ce genre de partie, il faut vraiment mettre mon coring state au moins. Ouais, je pense. Attends, je vais achever cette armée là. Parce que sinon t'es bloqué avec ton manpower de base et là c'est. Bon, mettre service obligatoire hein, si vous voulez. Salut soldat 22. Ah ouais, putain, il me faut encore 105 jours pour pouvoir débarquer, quoi. Mais que font les Allemands? Je t'avoue que là, on sait pas vraiment ce qu'ils font. Ah ouais, mais ça passera pas, même avec des plans d'assaut. Quoique, ici, ça peut peut-être passer. Oh, ça passe! C'est beau! Ah, bah ici, ça passe pas. Ça sert à rien d'attaquer. Ah, ça passe plus! On va arrêter d'attaquer parce que là, je puise mes divisions pour rien. Allez, mais atomisez-les, ces divisions italiennes à la con! Alors, le coup d'état. Ah, le coup d'état, je l'ai pas encore lancé parce que pour faire un coup d'état, il faut avoir. Oh putain! Les... Oh, je prépare le coup d'état! Ah. Aux États-Unis. Bah disons qu'on on s'est tous mis à influencer au niveau fasciste, je pense. Donc, Ouais, ils sont à 23% de fascistes. Ouais, et on est 3 dessus. Ça va bien les foutre la merde. Le Royaume-Uni est à 7% pour l'instant. Il n'y a que moi qui influence. Ah, du coup, je perds du... Ah, je vais arrêter d'influencer le Royaume-Uni. Parce que du coup, je suis en train de perdre du manpower, là. Ah, je suis à moins 13. J'arrête d'influencer les États-Unis aussi, parce qu'il me faut du manpower. J'ai pas envie de passer à zéro. Mm-hmm. Bon, moi, j'ai passé en fond de tiroir. Ah ouais, carrément. Donc j'ai 1 500 000 de réserve. Ça va. Ouais, mais t'as c'est... T'as le Canada qui est en train d'envahir la Sardaigne. Non, ça c'est la Sicile. C'est la le Sicile. Dernier 1 500 000. A plus, Lucas. Je t'avoue que c'est un peu chaud au niveau défense pour l'instant. Voyons voir, est-ce que je pourrais recruter des tanks? Ah, oh, je peux. Alors, mais disons, tanks sont pas magistrales. Hein. Je peux pas entrer en territoire anglais. Est-ce Pourquoi que ça veut dire que je suis pas en guerre contre les Anglais? Bah, si. Mais ça, ouais. Là oui, je suis en guerre contre les Anglais, mais je peux pas entrer en territoire anglais. Pourquoi? C'est où? En Afrique. Tu peux pas avancer là? Essaye, j'ai envie de dire, essaye pour voir. Ouais, y a des endroits où je peux. Mais sinon, je peux pas.
On va rien faire ici pour l'instant. Ça fait gagner du manpower. Hop. Alors, je suis à combien au niveau des recherches là? Ah, c'est bon, ils sont à Berlin. Ah, ouais. Ah, il va falloir prendre Vienne pour qu'ils capitulent. Et ils sont toujours à ta frontière. Mais c'est ça, ils bougent pas. What the fuck? Ils ont pas bougé d'un pet, hein. Mais... Et en plus, c'est des bonnes divisions, c'est pas de la merde, hein. Regarde, infanterie de type 3 allemande. Oh, mais ça y est, regardez les mecs, regardez en Espagne, qui c'est qui est en train de débarquer depuis Gibraltar? Il y a les États-Unis, les Anglais, l'Australie, le Canada. Il y a des zéros qui volent aussi d'ailleurs, un peu partout il y a des avions japonais. Ouais, il y a des zéros au-dessus de. Mais je pense que c'est eux qui font la couverture aérienne. je suppose qu'ils ont que ça. Mais les Japonais sont avec nous. Ah oui, alors le coup d'état aux États-Unis, je l'ai lancé sur. Je sais même pas quelle région. Je crois que je l'ai fait en mode random. Effectivement, je vais l'annuler et on va le faire au Texas. Oh, les Allemands ont pris une de mes régions. C'est incroyable. Ça y est, ils ont avancé. Non, ils ont juste. Tu vois, il y avait un petit bout de terre qui est encore à moi, tu vois, la Moravie là. Et il y avait un petit bout de terre qui le reliait à mon territoire. Et ils l'ont pris. Waouh, ça y est. Ils vont se faire rattraper, oui. Hein. Ouais. Ah oui, putain. MDR, il y a un radar en plein milieu du territoire que tu peux plus, auquel tu peux plus accéder. Ouais, j'ai construit un radar pour essayer de voir un peu ce qui se faisait. ce qui se faisait. Putain, ils en sont à libérer la Tchécoslovaquie quand même. Ils sont combien de morts, les Allemands? Putain, contre nous, ils sont à 500 000 morts. Et ça monte. Ouf! Oh, les Anglais qui ont pris quand même 1 500 000 morts. Alors, j'entends le bruit d'un débarquement, mais c'est impossible, je n'ai pas de côte. Effectivement, ça risque d'être difficile. Ah si, en Finlande! C'est pas une côte, oui. Ça compte pas, ça. Ah oui, t'as Leningrad. Il débarque à Leningrad. Non, c'est Mourmansk qui... Ah, ok, puis l'Espagne. Ça. Ah, alors... ça y est. Ok, il y a des morceaux qui sont aux Anglais, d'autres qui sont aux Donc Allemands. Maintenant, c'est... Deux nouvelles factions qui vont se battre pour ce territoire. Et le Canada, putain, qui est en train de rusher le sud de l'Italie. Oui, c'est ça. C'est juste le grand n'importe quoi, ce guerre. Bon, le Reich allemand est mort, hein. c'est plus la peine. La France libre a récupéré tout son territoire. Ouais, elle est en train de rouler sur la France de Vichy. Un peu. Les Américains, surtout. Oh non, ils sont en train de me percer! Non, vite, envoyez des soutiens! Vite! Ah, ils sont en train d'avancer sur toi, Franz. Ouais, j'ai vu ça. Bon, on a 3 de forts tout le long de la frontière. Pas tout le long du. Ouais, ils sont presque finis. Il y a que en Vovoïdie, là, où je sais pas où c'est, là. Ce truc là, où j'ai pas les forts. C'est bon, ils percent. Voilà. Les Allemands qui se décident d'avancer maintenant. Alors qu'ils sont presque morts. Au moins l'espace vital là, il a une vraie signification. Chute de Varsovie. La Pologne a capitulé. je crois que c'est pas nouveau, hein, mais. Faut que les Allemands capitulent là, parce que sinon on va se faire rouler dessus. Hein. Ouais. Parce que. On a tellement peu d'hommes qu'il y a des endroits où en fait on se laisse encercler. Ouais, mais on n'a pas tellement de choix. J'avoue que en plus, toi, si t'avances dessus, mec, si toi ils t'avancent et qu'ils prennent Budapest, tu capitules. Non, mais Budapest est défendu par des millions d'hommes courageux. J'avoue. Remarque, moi ils sont plus qu'à 3 régions de. À 3 cases de Belgrade aussi, donc. Moi, pour l'instant, je suis tranquille. Le problème, c'est que si Belgrade est perdu, moi j'ai Bucarest sur la frontière aussi. Donc, Ouais, on se fait bien rouler dessus.
Ah, ils ont roulé sur ma ligne de défense. Ah ouais, au nord, putain, ouais, t'as roulé dessus. Bon, mais débarquement en Crète, c'est pour quand, là? Là, on est où, la technologie? 30 jours? Ça, ça va pas marcher, cette connerie, tu vas voir. On va améliorer l'art. Ah, ben non, je suis déjà au maximum avec l'artillerie. Je suis en train d'isoler une par une les divisions italiennes en Afrique. On va faire des chasseurs. Escadrille sans mission. Ils ont pas de mission. Allez hop, battez-vous. Bon, comment dire? Ça va mal. Ils sont en train de te rouler dessus. Putain. Non, en vrai, en fait, la plus grande partie du territoire qu'ils ont pris, c'est du territoire que je voulais pas défendre. Après, ils vont arriver en Roumanie. Ouais, et j'ai toute mon armée. Plus de France de Vichy. J'ai toute mon armée à l'autre bout du monde. Alors, pourquoi je ne prends pas un focus définitif? Parce que j'aimerais gagner du poids politique. Si je prends un focus définitif, je passe à plus 0,20 en poids politique. Donc, c'est moyen. Je vais faire appliquer mon armée à Bucarest, par contre, là. Parce que. Bon, Presque 30% de fascistes aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouais, ton armée ramène-la en Allemagne. Enfin, en Allemagne, c'est pas vraiment l'Allemagne. Mais Déjà, je la ramène chez moi et ensuite je verrai. Tra la gueule de la Tchécoslovaquie. Mec, mais qu'est-ce qu'ils font là, la Tchécoslovaquie? Ah, what? Malaisie britannique. Ah d'accord, le Siam qui a envahi la Malaisie britannique. C'est vrai que c'est notre allié ça. Le Japon qui visiblement est en train de trucider le Raj britannique. Ah ouais. les Allemands n'ont plus d'hommes. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ouais, mais c'est-à-dire que leurs divisions sont full matériel mais n'ont plus d'hommes. ça veut dire que du coup, s'il n'y a plus le Raj britannique derrière, je peux attaquer l'Iran et l'Afghanistan sans problème. Ouais. Après. Si tant est qu'on arrive à survivre jusque-là. Ouais, où est-ce qu'elles sont tes divisions, les Roumains? Elles sont en train de remonter. Elles sont en Syrie actuellement. J'en ai 66. Elles sont en Syrie actuellement, les divisions roumaines. Nous, parce que nous, on a besoin d'aide là. On a besoin d'aide urgente parce qu'on se fait encercler. Ouais, je suis désolé, mais mes divisions, elles font ce qu'elles peuvent. Kim Jong-un de l'espace Xox. Bonjour. Bonjour à toi. Serbie Strong, Serbia Strong. Oh oui, okay. Plus d'Italie. Ouais. Qui a été partagé entre la Grèce et. C'est le moment d'attaquer. À l'attaque. Ça passe, mec. Mais non, ça passe, il n'y a plus que des Allemands en face. Allez, c'est le moment, on en profite. Comme ça, je vais réduire la zone de front. Et je vais peut-être même pouvoir rouler sur Vienne. L'espérance, mon dieu. Ben, nous au nord, on s'est totalement replié. Parce que... les Allemands ils passent par contre en haut. Ils passent presque comme dans du beurre. Bah, ils nous ont encerclés. Donc, t'es au courant que tu t'es fait envahir par l'Australie aussi? Qui? Toi? Où ça? Ouais, t'as vu, regarde tout au nord. Oh. Et par les Pays-Bas aussi. Les Pays-Bas, quoi. Ah, c'est bon, j'ai la technologie de débarquement. La question maintenant, c'est de savoir si... J'ai un cinquième destroyer. On n'a pas la supériorité navale, d'accord. Bah, avec... Ah ouais, d'accord, il y a du croiseur de guerre en face. Ouais, c'est pour ça. Bon, j'annule mes débarquements et je les fais rapatrier en Europe. Pourtant, il a plus que 5 divisions. Ouais, mais je peux pas débarquer, donc ça sert à rien. Ouais, mais... Bon, bah j'envoie mes garnisons s'occuper des deux. Bon, je vais prendre un focus définitif. Par contre, du coup... Allez, France, j'ai 10 divisions qui viennent t'aider. Il y avait un convoi... Oh putain, l'Italie qui nous roule dessus au sud. C'est quoi, je vais envoyer ces divisions contre l'Italie en Afrique. Faut qu'elle nous remonte et qu'elle nous prenne en tenaille par derrière.
Là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc on va la Ouais. calmer. La France de Vigée contrôle Beyrouth. Ouais, je rapatrie mes 60 divisions, moi, parce que sinon, ça passera pas. Ouais, si on perd, ce sera à cause du manpower, effectivement. Je suis à 210 000. Je suis à 204 000 pour l'instant. Et j'ai mon front qui est en train de faire n'importe quoi, c'est violent. J'ai quand même bien récupéré du territoire. Après, le problème, c'est que les alliés vont débarquer partout, quoi. Allez, ici, on leur coupe le port. Mes divisions, je les là-haut, c'est accessoire. Allez, hop, ici on coupe. Bah, ici on va arrêter d'attaquer, ça sert à rien là, ça passe plus. Alors les Allemands, j'ai passé où? Bon, j'ai stabilisé le front, je suis remonté, j'ai presque repris tout mon territoire. Allez, ici on les élimine. Trois divisions italiennes, ça fait toujours ça en moins. Et l'Italie, elle est où leur capitale? Alors là, c'est une très bonne question. Oh putain! C'est la capitale, c'est Oui, l'Éthiopie leur capitale! oui, oui, oui. What the fuck? Allez, on attaque ici là. Il y a moyen d'éliminer les Allemands. Faut prendre Vienne! Ah, mais ils ont pris Vienne, ok. Sérieux, maintenant c'est Königsberg leur capitale. Reprenez Jérusalem. Mon dieu, elle est où Jérusalem? On l'a reprise? C'est Ah. Königsberg. Ou c'est notre Jérusalem à nous. Allez, boum. Dans votre gueule, les Italiens. Et l'Allemagne qui veut pas capituler? L'Allemagne résistante jusqu'à la mort. Ah, c'est bien parce que maintenant j'ai du manpower, je peux utiliser des trucs. En fait, j'ai envie de dire ça me sert à rien, mais bon. Putain, je suis encore en économie civile! T'es sérieux? Espèce de touriste. Je vais passer en économie de guerre dès que je peux. Allez, ces villes sont à moi! Oh, ça y est, on se bat contre les alliés! Ah bon? Nous Ah, les moi, Allemands oui! nous se battent contre les Alliés et contre nous en même temps. Ah, c'est Mais pas mal, ça. regarde le territoire des Allemands, quoi! Regarde la tranche du territoire allemand! Königsberg, on rush Königsberg, les gens. Putain, mais les mecs, c'est résistant jusqu'à la mort, quoi! Ils sont à 99% de capitulés, mais non! Jamais! Jamais nous ne capitulerons! La Lituanie a repris même. Allez, plus d'Allemagne. Ah, ça y est! Ça y est! Ah, ça lag le temps que la conférence se Non, t'es fasse. sérieux! Genre, on n'a même pas le droit d'y avoir accès! C'est ça. Attends, je vais mettre pause là parce qu'il faut que je lise des trucs. On est en guerre contre la République d'Allemagne? Lol. Ben, c'est. Ouais. Alors, les États-Unis a pris deux États. Ou ça, je sais pas. Le Royaume-Uni 4 et la France 10. Peut-être les États dans les. Ah, les Ouais. FDP, ils ont refait la Pologne! Mais elle est à moi! MDR, le Parti démocratique DP en place en République de Turquie. Elle n'existe pas, la République de Turquie. Bon, je remets le temps. Libération Bon. de l'Autriche, du Royaume de Libye, de l'Éthiopie. Le Raj britannique Ah, vient de allez, capituler. ça s'est Ouais, fait. ouais. Oh là là. Armée, vous allez sérieusement me taper sur le système. Ah ouais, mais d'accord, il faut qu'ils fassent le tour, ces abrutis. Putain.
Non mais là, ils sont bien partis pour s'arrêter à Moscou, les Américains. Et du coup, je suis plus en guerre contre la République de... Il y a une guerre qui s'est d'Italie, finie, là. hein. Ou alors toutes les guerres se Non, sont pas fusionnées, je toutes. pense. Ah, ici, on peut avancer. C'est des Grecs. Buter les Grecs. Ah non, je suis en guerre contre les Italiens encore. On se rendra jamais. C'est nous ce qu'on va faire, on va créer des stations de missiles. Ouais, vous On allez va pas lancer voir. des missiles sur l'Allemagne au pif. Il va falloir que tu les crées, que tu les crées les missiles aussi, c'est pas gratuit. C'est pas grave, on est prêts. Elle est bien ta chemise, elle est toute légère. Oh, je peux m'occuper de prendre Suez si vous voulez. Prends alors. Et du coup, on est en guerre contre qui? Parce que est-ce qu'ils font partie des alliés tout ça là? Ah d'accord, ils font tous partie des alliés, c'est pour ça qu'on est en guerre contre eux. Mais évidemment. Bon, moi, ils essayent de percer. Ils y arrivent. MDR, la République d'Allemagne qui a des territoires en Grèce, en Espagne, quoi. Oh, mais cherche pas, elle est Ah, magnifique. ils percent au sud! Vite, éliminez-les! Oh là là. Et les pertes qui continuent. Et ça continue. Et on se fait rouler dessus. Et on recrute plus de troupes. Ouais, mais je suis en économie civile, c'est parce que j'ai en fait. Le problème, c'est que moi, pour que je fasse quoi que ce soit, il faut que je passe en. Il faut que j'ai 187 points. Non mais le Yougoslave, pourquoi t'avances? Et j'avance T'as pas vu pas! ce qu'il y avait? Mais j'avance pas, le Yougoslave, il. Oh putain! Il nous contourne, les bâtards! Vite! Ah c'est passé, c'est devenu allemand. What the fuck? Fuck quitte. De toute façon là, on est sur la fin là. Oh et Ah, toujours. puis les Australiens qui débarquent chez moi, ben oui, pourquoi pas. C'est pas marrant sinon. Alors vous allez aller vous occuper du sud ici. Non, les Danois qui débarquent à Leningrad, non mais les mecs. Allez, prenez Vous Leningrad si ça occupez vous de ça. fait Non! Vous occupez de ça. Voilà. plaisir. Oh là là. Ah, mais du coup, je suis pas en guerre contre la République de Libye. D'accord. Bon, au moins on aura fait quand même payer aux Alliés. Ils en sont à 6 millions de morts. C'est ça. On sera mort honorablement. Ah, putain, les bâtards, ils sont en train de m'encercler. Je vais faire une ligne de repli. Barrez-vous derrière le fleuve! Comme tout à l'heure. Moi je suis à 2 doigts de capituler, hein, je le dis tout de suite. Là je me replie sur la Hongrie en elle-même. Bah moi je suis en train de me replier sur ce que j'avais perdu, ce que j'avais récupéré, pardon. Ah non, ils peuvent pas mettre le pied en Hongrie quand même. En Hongrie c'est sacré. Ouais, ils sont déjà en Hongrie depuis un moment, hein. Mais putain, j'ai dit repli! Tenez bon! Fuck, allez tous dans la même armée là, hop, on Ne dégage de lâchez là. rien! Oh, mais regarde combien ils ont de divisions quoi! Par territoire, t'as 15 divisions au moins. Les Alliés ont décidé de foncer, de vraiment foutre la merde, et c'est pas mes 60 divisions qui vont faire Salut quelque chose. Sky! Mais viens quand même nous aider. Ouais, bah elles sont en train de remonter. Vite, on dégage! Ah, parce que là il est à mes frontières, là je suis pas d'accord. Ah oui, parce que nous on tient plus rien. Ah ouais, non, mais je vois ça, il y a des divisions de 10 pays différents. 10? C'était mignon toi. C'est une image. Il y en a bien plus! Allemagne, Américain, Oh le Belge. freeze! C'est bon, on a repris ce territoire. Je fonce où? Partout. Parce que là, Everywhere! je vais juste envoyer mes 66 divisions pour défendre, pour essayer d'en arrêter quelques-unes. Hein.
Et j'ai une division qui se dit non, ce serait bien de rester au combat en plein milieu de, des trucs pour faire encercler. Ah, bizarrement, il libère pas l'URSS quand même. Hein. J'avoue. Ah, c'est bizarre ça. Disons que bon, pour ça, il faut qu'il, faut, pour ça, il faut qu'il aille attaquer le Japon. Qu'est-ce qui se passe, Spectre? Alors, comment te dire qu'on est en, on était en guerre entièrement contre l'Axe et entièrement contre les Alliés? Là, les Alliés viennent de poutrer l'Axe. Et du coup, ben, et on est les suivants sur la liste. Du coup, on est les... c'est ça. On est... Next. Alors, le Japon a fait son taf. Hein. Le Japon a même défoncé le Reich britannique. Maintenant, s'il pouvait continuer... Par contre, s'il pouvait venir nous aider, moi, je dirais pas non. Oh, putain, mais mec, il y a des divisions japonaises qui arrivent. Oui, ça, oui, ça, oui, ça. Elles sont en plein milieu de la Russie pour l'instant, mais elles arrivent. Ah oui, je vais... Vous libérer le brave territoire hongrois. J'espère pour toi. Ah oui, mais d'accord, mais t'as 10 divisions qui y vont, quoi. Non, mais... 10 divisions, c'est ce qu'il y a... Non, vous n'approcherez pas Kiev. À 1 km de Budapest. Kiev, c'est à moi. J'ai 57 divisions qui défendent le territoire. Qui défendent un petit pays de merde. Mais regardez combien de divisions en face. Alors toi tu te replies là. C'est chaud. Oh putain, j'ai les Grecs qui ont débarqué. À Paris, quoi. Et derrière, ils ont débarqué en, à côté de Athènes, quoi. Ce qui fait qu'ils sont coincés. Bon. Quel merdier. Oh, j'ai chopé des avions. Non, mais d'où vous souffrez d'usure à 10 km de la capitale vous... Ça se fout de oui. Ma gueule un peu. C'est pas permis. Oh non, putain, c'est... la France qui débarque dans mon dos en Syrie. Courage, j'ai des divisions qui recommencent à popper. Ouais, je suis en train d'entrer en Afrique là. J'ai des divisions qui s'emmerdent, du coup, elles vont en Afrique. Par contre, les contrats de pré-bail, si je pouvais si je pouvais les arrêter, ce serait pas mal. T'as des contrats de pré-bail? Ouais, ben ça c'est... l'autre qui les avait laissés. Les amis, le coup d'état contre les États-Unis est à... 46%, ouais. Donc du coup, les contrats de pré-bail, je les annule comment, en fait? Ils sont à qui, les contrats de pré-bail? Alors, parce qu'il y en a un quand même avec l'Espagne. Oui. J'en ai un avec l'Espagne et un avec le Japon. Bah tu vas sur le... tu cliques sur le pays et tu fais annuler pré-bail. Ou tu fais modifier pré-bail et tu annules tout. Oui, modification pré-bail. Oui, voilà. On va faire des chars en attendant. J'ai pas trop de... Ah, ils entrent en Roumanie. Presque, ça y est. Ah oui, parce que nous, moi j'ai dit, je ne défends plus rien. Nous, on défend un petit bout du territoire hongrois avec 1 million d'hommes, c'est tout. J'avoue, on va finir en mode repli autour de nos capitales à résister à la... jusqu'à la mort. C'est ce magnifique. C'est-à-dire que toi, évidemment, toi, t'as un empire gigantesque derrière. Oui, enfin, j'ai un empire. J'ai un empire, mais je le défends pas. Quoi. Regarde, ils sont en train de libérer la Turquie maintenant. Bon, le seul avantage, c'est que je poutre des Anglais qui tentent de débarquer en Grèce. C'est toujours ça. Il te fout des zéros, quoi. Merde. Ouais, ah, t'as des divisions japonaises qui sont pas tardées à arriver. Quoi? Il y a des divisions espagnoles qui rentrent aussi. C'est ça le Japon, il pourrait pas en profiter pour attaquer les États-Unis un peu. J'avoue. Si on peut tenir jusqu'à ce que je fasse mon coup d'état. On est à 50% pour le coup d'état aux États-Unis. Tenir? Non mais. T'as vu mon coup d'état? On tiendra pas.
Ils font Destinée Manifeste. Il me manque 125 d'acier. Ouais, moi, parce que manque... j'ai tous mes convois qui se font découper en pièces. Moi, il m'en manque pas. J'entends d'allumer des trucs là, parce que j'en ai trop. Moi, il me manque du caoutchouc. Moi, j'annule mes divisions parce que là, du coup, ça sert plus à rien. Ouais, j'avoue, moi aussi. Hein. Allez, on passe en fond de tiroir, on en a plus rien à faire. Et voilà, capitale, 40, 81 divisions. Retraite immédiate. Putain, j'avoue, ta capitale, elle est. On va en train de se faire démonter. Il y a des divisions allemandes en Afrique. Putain, j'ai le jeu qui lag, il y a trop de divisions. Nous, on tient, putain. Alors, j'ai viré les divisions des autres pays parce que sinon je lag trop, c'est horrible. Ouais, la nuke, le satanique, je suis en train de la faire en fait, mais enfin. Je suis en train de faire les technologies, mais après on n'aura pas du tout l'avantage aérien, donc on se fera démonter quand même. On pourra pas déployer la nuke. Regardez. Malheureusement. Ah, la nuke, j'en suis encore à. Il me manque 80 jours pour avoir les réacteurs nucléaires. Moi j'ai même pas de bombardier stratégique, alors il faudrait que je. Moi non plus j'en ai pas. Après, bon. Alors, vous, je vous ai dit, vous barrez. Oh, vous me gonflez. Putain, ils sont en train de nous encercler, c'est violent. Mais on a fait la nuke box. Recherche atomique. Voyez voir qu'est-ce que je vais faire. C'est-à-dire les seules usines qui me restent font des fusils. On va en arriver là quoi. Bon, j'ai 160 000 fusils en réserve, mais on sait jamais. Moi, je produis encore des chars, des anti-tanks, un peu de tout. Nous, on tiendra jusqu'au bout. Okay. Jusqu'à la mort. Arrête les bateaux. Ah. J'arrête les bateaux, j'arrête les chars. Ah ouais, mais la production est complètement arrêtée parce que j'ai plus de ressources. Comme ça, c'est fait. On est en 44, on a tenu jusqu'en 44, putain. J'avoue. On se met bien. Comme quoi les alliés, faut les faire capituler rapidement. Ouais, sinon ils deviennent ultra puissants, hein. La liberté. Bah sinon tu prends ça dans la gueule quoi. Sinon le libéralisme prend le dessus. C'est intéressant ça. La République d'Allemagne et les Sudètes. Comment ça les Sudètes, mais... Ah ouais. Ah, mais je sais pourquoi. Parce que comme ils ont fait la réclamation, ça leur a été donné, mais ils ont après ils ont dû faire la guerre à la Tchécoslovaquie pour avoir le reste. Ah ouais. Putain. Le territoire de la Grande Hongrie s'est réduit comme peau de chagrin. Bah, on est plus trop une Grande Hongrie. Moi, ils sont en train de passer aussi. Donc... Ah ouais, toi, ta capitale, elle est complètement abandonnée. Retraite. Tout sur Bucarest. Tu fais un rond autour de ta capitale. Défense générale sur Bucarest. Fais comme les soldats hongrois. On va se caler derrière le fleuve là. Bon, ils veulent pas attaquer les alliés un peu là. J'avoue, t'as vu combien de divisions ils ont sur nos frontières? Trop. Je vais t'abuser. Et je sais pas pourquoi je suis repassé à 30 FPS, j'ai pas compris. Nous, on va reprendre Leningrad. Alors, on va regarder, on va faire un petit point perte. Alors, le petit point perte. Putain, la Pologne, qui est... Allemagne 1 470 000 morts, États-Unis 1 150 000 morts, Royaume-Uni 850 000 morts, France-Britannique 648 000, Italie 590 000, Tchécoslovaquie 300 000, Turquie 300 000, France 250 000, putain ils ont plus de pertes que nous quand même. Le Japon 1 160 000 morts.
Ils sont en guerre contre qui, le Japon? Bah, en fait, ils sont avec nous. Oh, ouais. Ils attaquent partout, les alliés. Ils essaient de percer. On a tenu. Ah, je vois ça. Je suis en train de me positionner. Moi, je laisse bouffer ce qu'ils veulent, hein, mais je me regroupe autour de Bucarest. Ils passent pourquoi? Regardez, je suis en train de prendre l'Ethiopie et tout là. Putain. Là, je suis en train de faire plaisir en Afrique. Ils essayent vraiment de passer parce que rien qu'au niveau matériel, ils ont perdu 10 000 de matériel en un mois. Effectivement. Oh, j'ai perdu une province, ils m'ont coupé mais ma ligne de repli. Ok, toi, tu peux perdre toutes les provinces que tu veux. Nous, on a un rond autour de la capitale. Voilà. J'essaie de défendre la Roumanie un peu. Je me suis calé derrière un fleuve. Bon, je vais remplir mes divisions autour de ma capitale. À 6 millions 50 000 morts, 500 000 morts. Ouais. Faut en tuer encore plus. Moi je dis, on capitulera qu'à 8 millions. Faut qu'on leur mette encore plus de pertes. Ah, les États-Unis sont arrivés à 1 million, pas mal. Ouais. Ils étaient à 300 000 tout à l'heure. Bah, à force d'attaquer comme des gros loups, forcément, au final. Bon, moi, je me replie autour de la capitale aussi. Et mec, je tiens la Grèce, malgré tout. Mais t'as vu l'argent de ton front, aussi hein. Moi, j'avais à défendre de l'Hongrie jusqu'à la Pologne. C'est fait déborder, voir tous les côtés. Chut. Ce monde est injuste. On a plus que 3 usines civiles. Eh, moi il m'en reste 23 usines civiles. Ouais, non, il y a plus trop moyen de poche en Yougoslavie, Audrey. Désolé, mais. Ah, en Roumanie, c'est ils sont sur sa capitale directe, quoi. Les gens qui ont encore de l'espoir, quoi. Ouais, c'est trop ça. Non, mais c'est fini. On a perdu quoi. Mais là on est Hitler dans le bunker là. Mais c'est ça. On a envoyé nos derniers Volksturm. C'est bon, ils s'en prennent direct à Bucarest. C'est les forces américaines. J'ai pas trop à les arrêter. Ah quoique, j'ai rien dit. On ne demande pas de les arrêter, on demande d'en tuer le plus possible. C'est un peu ça. Là c'est. Ouais d'accord, j'ai deux divisions de blindés moyens qui m'agent. J'ai deux divisions de Charman qui m'attaquent. J'arrive à tenir quand même. Oui, ma partie se finit ce soir. Oh, ils sont en train de percer ici, sérieux. Oui, visiblement, la partie se termine ce soir. La partie, elle ira pas plus loin. On tiendra jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Parce que Hitler, lui, il a pas tenu jusqu'au bout, Hitler. Il a pas tenu, c'est qu'un lâche. Bah nous on va faire ce qu'aurait dû faire Hitler. C'est... On tient jusqu'à la mort quoi. Jusqu'à leur mort pour le moment mais... Ah ça y est, ils entrent sur mon territoire les... Mais t'as vu la Pologne, la taille du territoire polonais? Oui, c'est petit. C'est abusé quoi. Et ouais, y a pas une division polonaise à mon avis. Les mecs, ils ont 23 à 30, à 25 divisions. Ah, t'inquiète pas, là-bas, la politique d'occupation était politique d'occupation extrêmement violente. Il ne doit plus y avoir de Polonais non plus. Il n'y a plus de Polonais en Pologne. Il n'y a que des alliés. Hein. On les a tous butés. J'adore le commentaire de Le Satanique. Vous inquiétez pas, la 8e armée arrive dans leur dos et la 5e armée attaquera pour les repousser. Parole du dirigeant yougoslave dans son bunker, les mains tremblantes. J'aime. Ma division, qu'est-ce que tu fous? Reviens ici, amis, le coup d'état aux États-Unis est à 65%. Oui. On va peut-être y arriver. Ne t'inquiète pas, il y a Chuck Norris arrive. Là, il nous faut Chuck Norris, sinon ça passera jamais. Ah, je commence à perdre des divisions. Ouais. Il y a Spectre qui dit, si vous voulez, il y a de la place sur mon île du Pacifique. Mais on peut plus sortir du pays. On peut. Si vous pouvez essayer de partir vers chez moi. Ah oui, nous il y a une petite. Ouais, mais nous on défendra jusqu'au bout. Je contrôle Suez, donc je peux pas espérer. On a juré à l'empereur Dieu.
à l'empereur Dieu. Non, non, vous ne prendrez pas ma capitale. Je mets toute mon armée sur ma capitale, je cherche quoi? Bon, vous, vous laissez tomber la Grèce. Oh, on a encore des avions. Ah oui, d'accord, en fait, il avait, vous n'avez pas de mission, donc il décollait pas. J'ai plus de base aérienne. Moi, il m'en reste encore une. Non, j'ai encore 341 avions. La plupart des avions, c'est des avions japonais. Mais... Oui, il n'y a que ça maintenant. On a juste 110 avions à nous. La Hongrie qui tient héroïquement. Oh putain. Ah, ben j'ai des divisions ici. Revenez ici. La Roumanie qui a 50 divisions sur Bucarest. 48. Mais 48. Ah, mais j'ai des forts ici, moi. Ça doit faire des millions d'hommes. Ah, je vais me replier sur les forts. Ah. Je crois qu'il a décidé de l'attaquer à Bucarest. Ouais, mais il passera pas trop, je pense. Ah, il va avoir un peu de mal, je pense. Je pense qu'il va finir par lancer une bombe nucléaire. J'avoue, après on est qu'en 44, mais... Ouais, mais si les priorités d'IA sont aléatoires... Ah, j'ai des... Oh oui. Je peux encore recruter des unités. Qu'est-ce qui me manque? Ah, il me manque... Je peux encore recruter des unités, d'accord. J'ai trois divisions qui font rien. Eh ben, vous allez... Ah, ils réessayent de percer. Ils sont courageux. Bon. Derrière le fleuve, les potes. Non, vous ne toucherez pas à Bucarest. C'est hors de question. Putain, on a des divisions qui se barrent. Revenez. Bande de lâches. Ah. On va bientôt plus avoir de connexion, Fante. Ils vont couper notre connexion terrestre. J'adore les commentaires. Les USA auront-ils une guerre civile? La 8ème armée arrivera-t-elle vraiment dans le dos des alliés? La Hongrie arrivera-t-elle à survivre? Tout ça dans le prochain épisode. Non mais la Hongrie survivra. La Hongrie survivra. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Hongrois. Et donc qu'on appelle plus ça la Hongrie. C'est compris? Jusqu'à la mort. Ah, moi je défendrai ma capitale jusqu'à la mort. Nous on est cons, hein. Nous il nous reste 375 000 hommes à envoyer à la mort. Et on n'hésitera pas une seule seconde. On appelle ça l'esprit patriotique. Ouais. Ou l'esprit Volkssturm aussi. Bon, ah. Toi, tu vas passer par là parce que sinon tu vas te bouffer les divisions. On est encerclé, putain. Ils sont partout. La météo. Oh là là. Les seuls espoirs sont le coup d'État et le Japon. Quel le Japon, il fait rien. Tu vois un espoir quelque part, toi? Ah, j'ai 57 divisions qui sont isolées. Oh, j'avais pas vu que t'avais encore des divisions à côté de Leningrad, France. Oui, mais ils essaient de reprendre Leningrad depuis tout à l'heure. Chargez-les. Ils s'amusent bien, ils font le spectacle. En plus, c'était les mecs qui étaient censés maintenir l'ordre en Pologne. J'ai pas voulu dire autre chose. Pourquoi c'est le Danemark qui contrôle Leningrad? Parce que c'est eux qui ont débarqué dessus. Peut-être. Je m'en fous, ma capitale, elle tiendra. Elle est complètement isolée, mais elle tiendra quand même. Les divisions de protection de France qui attaquent des chars américains. Oh, il est fou, moi. Je suis à 92% de capitulés. La Yougoslavie à 62%, et la Hongrie à 31%. Ah oui, parce que nous, ils ont beau avoir pris 70% de notre territoire. Il faudra qu'ils aillent jusque dans la dernière ferme du dernier endroit tout pourri de la Hongrie. Ouais, bah c'est... Mais la... J'allais dire la mer Russie, mais non. Presque. Ah, j'ai 57 divisions, 56 infanteries et une division blindée.
J'ai fait recherche atomique. Donc faut tenir encore 400 jours pour que je fasse le réacteur nucléaire. Ah, moi dans 7 jours je peux faire des réacteurs nucléaires. Et après encore 500 jours pour que je puisse faire la bombe atomique. On est bon. Ah mal, la recherche nucléaire je l'ai faite, j'ai pas les réacteurs encore. Ils sont en cours, mais ça va pas. La Yougoslavie et la Roumanie capituleront. Jamais. Et vous serez dans le prochain épisode de The Dictator et The Main Tremblante. On capitulera jamais, voilà. Jamais. Pourquoi j'ai trop de points de rien ici. Dans 1000 jours, ma base de V2 est prête. Dans 1000 jours. Bon, on a plus qu'une usine civile. Moi, je fais plus des réparations sur mes trucs. On va pouvoir reprendre l'autre côté de la Hongrie. J'ai 11 usines civiles. Regardez, ils ont... Et j'ai 14 usines militaires. Ils ont des gardes du front. Ah, j'ai fini les raffineries. Reprenez la Hongrie. Ah ouais, putain, ils ont des gardes du front, du coup. Ah, j'ai fini le réacteur nucléaire. Ouh, je passe sur la bombe atomique. 470 jours. Ouais, mais après la bombe atomique, il va te falloir des bombardiers stratégiques. Ouais, c'est qu'un détail. C'est qu'un détail, effectivement. J'ai encore des réserves. On enverra un million d'hommes, c'est sacrifié. Il y a une division espagnole qui arrive en remontant la Turquie. C'est pas important. C'est pas important, ne t'inquiète pas, on va arrêter la production de ça. Nous on repasse à l'attaque. Ah moi je peux pas. Je vais essayer de rassembler les quelques divisions qui me restent pour... On a peut-être pas encore perdu les gars. À la vie, à la mort. Nous on a repris un territoire, on a repris un millimètre de territoire hongrois. C'est-à-dire qu'on va peut-être reprendre des usines civiles. Est-ce que j'ai... Attendez, je suis en train de me poser la question de savoir si j'ai les technologies pour éventuellement faire des... J'ai même pas les bombardiers stratégiques. Je vais commencer à produire de... Ouais. De... Est-ce que j'ai... Ouais, mais j'ai pas la supériorité aérienne. Comment tu veux que je mette... En face, ils ont 150 avions de niveau 2. Des avions de niveau 1, moi. Moi j'ai plus d'avion, ouais, réserve à 54 000 hommes. Si j'arrive à balancer une seule nuke... On aura gagné la partie. Ouais. Je suis en train de produire des chasseurs de niveau 3. Moi je peux plus rien produire, ça sert plus à rien que je produise quoi que ce soit. Par contre il va me falloir des réacteurs nucléaires, du coup je vais en faire plein. Avec quelle vision? Comme un gros dalleux. Je vais pas leur filer quand même les réacteurs. Ils ont pas encore débarqué en Grèce. Ah, vas-y, je vais faire des réacteurs nucléaires en Turquie. Et en Afrique. Allez, reprenez le territoire hongrois. Tiens, ça marche en plus. Oh merde, putain, ils ont percé ici. Ça va tes divisions, le roumain, là? Ouais. 57 divisions dans une ville. Je m'en fous, elles sont toutes prêtes à rendre leur dernier soupir pour la patrie, ça passera. Putain, le hongrois qui est en train de faire une percée, là. Eh, nous, on attaque, hein. On a plus rien à perdre. À part peut-être la vie de 700 000 hommes. Parce qu'en plus on prend du territoire, soit c'est le territoire hongrois qu'on prend, plus on aura de main d'œuvre. Ah oui, c'est vrai. Faut que je change de conscription. Merci Audrey. Allez, on passe en mobilisation générale. Allez hop. Moi je peux plus déployer d'infanterie, je peux plus déployer d'unité parce que avec le bordel qu'ils m'ont fait au niveau des pertes de ressources, ça sert plus à rien que je... Mec, les réacteurs nucléaires, il va me falloir 7 mois pour les construire. Ah bah rip, hein. Courage. Je construisais plus vite les bunkers. Hein. Mm-hmm. si tu regardes, j'ai toujours les trois quarts de mon territoire à l'est.
J'avoue, ils ont pas avancé. Je suis à 93% de monde. Mec, c'est des Japonais qui défendent ton. Ah, merci pour ton abonnement. Ouais, c'est l'armée nippone qui me défend. C'est les Japonais qui défendent les frontières. Hourra, camarade. Si les Japonais pouvaient avancer un peu plus, ce serait pas mal. Oh, mais aura, tu leur en demandes trop là. C'est pas leur territoire, ils avanceront pas. Oh putain, le Hongrois qui a tenté un encerclement. Ah, la Grèce a repris son territoire au sud, ça y est. Putain, il me reste plus que 10 convois. J'en ai 400. Et moi, j'ai plus de port. J'ai pas de port et j'ai 287 convois. Tu veux ? J'en ai plus que 17, moi. Alors que t'es le seul qui a un port. C'est con, quand même. Oh, le Roumain, il a encore des ports. Hein. Pas beaucoup, mais il en a encore. Ils sont défendus par les Espagnols. Oui, on a de nouveau 33 usines. On va pouvoir construire ce site de missiles. Mon dieu. On va se mettre en réparation et construire. Mais je suis encore en positif dans tout le matériel, sauf il me manque juste 1000 armes légères. Ah, nous, il nous manque juste un peu de matériel de soutien. Ah, tu veux que je t'en envoie ? Moi, je peux plus rien produire, donc... Bah, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de... Tu vas le faire passer par où, ton matériel ? Par avion. Allez, hop, attrapé. Attends, je t'en envoie un peu. Parce que nous, armes légères, on est à 160 000 de trop. En fait, moi je suis positif en canon, en t-shirt, en armes légères, j'en ai 91 000 en stock. Et après, en fait, ce qui me manque, c'est de l'artillerie et de l'infanterie motorisée. Sinon, je suis en positif partout. J'aime bien les des avions ennemis, puis les zéros à côté, puis les zéros font des 3-6 dans tous les sens. C'est bon, on a repris le territoire hongrois. C'est bien. Parce que j'ai mis... Ah putain, mes 10 divisions, elles sont là. Et mes divisions en Afrique qui sont en train de faire un carnage. C'est n'importe quoi. À l'attaque. Ils en sont à 7 millions 3. Donc, ils on avait 40 000 armes. Ah, oh, mais nous, on a plus rien à foutre. Le Hongrois, il a presque récupéré tout son territoire de base. Le Hongrois, le Hongrois. Oui, c'était bien moi. Je me mélange dans tous les trucs, tu vois, maintenant. Oh merde! Putain, ils sont à une case de Belgrade. T'inquiète pas, on va faire une remontada avec toutes nos divisions. C'est la percée! Non, c'est pas la percée, d'accord. Non, mais vas-y, on se calme là. On se calme, les mecs, c'est pas la percée. Toi, va prendre la ville là-bas, toi. Et toi, va prendre Vienne. C'est bien. Alors, on va faire la technologie du bombardier stratégique. Je commence à prévoir. Si t'arrives à caler une nuke, mec, mais... Je me dis bravo. Ah, mais là, c'est... Surtout que, mec, il me reste encore 327 avions. Tu les envoies tous à la mort, hein. Ouais, mais et c'est toujours des vieux chasseurs niveau 1. En face, tu te bats contre des speed. T'alignes des petits 16, des petits chasseurs de merde contre des speed, des P-51. Voilà. Tu veux que je te dise quel avion limite on a dans en face dans 2 ans, ils ont des mirages, alors que nous on fera toujours des avions entre les airs. En face, il y a. En face de mes. En face de mes avions de niveau. Je ne vois plus. Apparemment, je n'en ai plus. Si. En face de mes avions de niveau 1, il y a 118 Spitfire Mark II. D'accord, Seconde République brésilienne a rejoint les alliés. On avait une première. Okay. 208. Oh putain, ça y est, ils mettent des avions. Royaume-Uni, allez. Pourquoi pas. Allez, le Brésil. Et ce coup d'état, il en est où? Ah oui, le coup d'état. Attends, je regarde. 31 juillet 44, d'accord. Au Texas. Il est à 87%, on va peut-être y arriver, les mecs.
On va peut-être y arriver. M'en fous, je tiendrai ma capitale. Par contre, ma capitale, ils l'attaquent pas, je sais pas pourquoi. Ils sont en train de se barrer de ma capitale. Et j'ai envie de dire, tu pourrais même tenter de prendre du terrain. Non, je peux pas tenter de prendre du terrain en étant encerclé comme ça. Si je perds ma capitale, ça passe pas. Les 60 divisions, faut qu'elles restent là. Le coup d'état, il est aux États-Unis, au Texas. Parce que regarde au Texas ce qu'ils ont, les États-Unis. 582 de pétrole, 96 d'aluminium. Ça va bien les faire chier là, ils vont. Leur production va être totalement arrêtée. Tu sens le petit coup de pute là qu'on va leur faire. et ils sont quand même à 44% fascistes. Ouais, ben je suis toujours en train de les influencer. J'avoue, moi j'ai arrêté parce que il fallait des points politiques. Ah, moi je m'en fous. Et les mecs, vous savez que la Grande-Bretagne est à aussi 23% fasciste. Vas-y, je prépare un coup d'état aussi. Ils vont envoyer mes fusils là-bas, tu vas voir. Je le prépare où le coup d'état en... À Londres. Non, ouais. Je peux pas à Londres. Ah putain. Attends, je regarde où est-ce qu'il y a beaucoup de ressources. Comme un gros bâtard, comme un gros schlag. Prépare-le au Pays de Galles. Non, je l'ai fait. Je l'ai fait dans le Yorkshire parce qu'il y a 120 d'acier. Non merde, ils ont percé à quelques endroits le territoire hongrois. Ne le vous laissez pas faire, camarade. Reprenez. Oh merde, ils me prennent un relais ici. Défendez Sofia et. Et elle attaque. Et jusque là. Moi j'ai 10 divisions sur Sofia, elle vaut y rester. Attends, j'ai perdu mes 3 divisions qu'il y avait ici. On dégage, vite! Mes divisions à Bucarest, elles s'en rendront pas. Destroyer, dégage! Elles ont intérêt à pas se rendre. L'autre, il a encore un bateau. Ben j'ai. Encore un destroyer roumain en plein milieu de la mer Noire. Ah, ça y est, je commence à avoir des problèmes de... Ah, apparemment, ton matériel est arrivé. Je ne sais pas comment, mais il est arrivé. Je m'en fous. Je vais lancer mon destroyer. J'ai quoi ? Montgomery, Lancaster et Vétéran en face. Destroyer 1, x 3 contre destroyer 1, x 1. Putain, je suis monté, j'ai gagné 62 convois. Bien, j'ai perdu. Genre, j'utilise des convois pour le commerce. Ah, avec l'Empire du Siam. Bon, Genesis, tu veux qu'on tienne jusqu'à quand ? Maximum jusqu'au coup d'état aux États-Unis. 31 juillet, on est le 27. Ouais. Bientôt les États-Unis. On est d'ailleurs à Leningrad. Enfin, on est pas en juillet, on est en juin. oui, parce qu'il est qu'à 91% le truc du coup d'état. L'empereur Dieu France, c'est quoi ce nom? Bah, c'est mon petit nom. Oh putain, ils sont en train de te percer, France. Ils sont en train de te percer, France. Non, non, c'est eux qui attaquent. Enfin, c'est nous qui attaquons. Enfin, c'est pas nous qui attaquons, en fait. C'est les Roumains qui attaquent. Ouais, bah, toujours est-il que ça se passe. Ouais, allez, soyons fous, je soutiens le fascisme en Angleterre. C'est-à-dire que nous, là, partout où ils essaient d'attaquer, on les déglingue. T'imagines si on arrive à faire basculer l'Angleterre et les États-Unis fascistes? Là, et là, le gag, il rejoigne l'axe instantanément. Ah, oh, merde. Ah non, hein. Laisse tomber. Il n'y a plus l'axe. Ouais, j'avoue, l'axe, il est mort. Ils vont rejoindre l'Union balkanique. Ah oui. On est les seuls fascistes. Et regardez notre territoire, les mecs, quand même. Regardez le Japon, tout le territoire qu'il a comparé à nous. En vrai, on est grand, mais... La Yougoslavie, elle est énorme, par contre, elle contrôle le quart de la moitié de l'Afrique du Nord. T'as vu ? C'est abusé, hein. C'est dégueulasse. Les réserves estimées du Japon, c'est 6 millions. Oh, c'est dégueulasse. Moi, je suis à 290 000. Moi, je suis à 500 000. C'est-à-dire qu'on a perdu 200 000 hommes depuis tout à l'heure. Moi, je suis à 60 000 et je fais que monter depuis tout à l'heure. Je peux recruter 666 soldats. Je vais aller loin. Toujours à 93% que... Okay.
On va essayer de conserver ces territoires-là. Et ils ont osé prendre une partie du territoire hongrois. C'est traître. Détruisez-les. Nous les traînerons tous en justice. Parce que là, les juges, ils sont à la guerre. Mais Ender, le Venezuela qui veut m'envoyer les volontaires. Bah oui, venez, venez, allez. Allez, à la mort. Si on regarde, de nous trois, c'est moi qui ai fait... c'est moi qui ai combattu le plus, hein. J'ai fait le quart de la guerre. Parce que t'as bouffé toute la Turquie. Oui, aussi. C'est ouais, ouais, à 1% près. Hein. Destroyer, mais... Le Destroyer, il fait quoi, là? Enfin, en attendant, si on regarde qui c'est qui a fait le plus dans la guerre, c'est quand même le Japon. Hein. Oui. Forcément. Je vais dire ça. Vas-y, mon armée, là... Et chez eux, c'est les États-Unis, puis l'Allemagne, d'accord. Les pauvres Allemands qui se sont fait enculer par tout le monde, et on les oblige à se battre maintenant contre nous. C'est trop ça. Le mec, il voulait juste rentrer chez eux. Bon. C'est bon, on a refait nos vieilles lignes de défense. Celle qu'on tenait avant. Oh putain, j'ai perdu mon taquet d'avion, les mecs. Ah. C'est bon, y a tous les avions au-dessus de l'Europe, c'est des zéros là. Donc... Non, il y a encore des avions, des fidèles avions yougoslaves qui se battent. Moi j'ai perdu mes 118 avions. Moi, j'ai plus personne qui veut faire du commerce avec moi. Moi, je produis plus que des avions et des armes. Moi, je peux plus rien produire. Voilà, c'est tout. À part des armes. Si, je produis toujours des armes. On va annuler la production de tanks. On va annuler la production de véhicules motorisés. La production d'artillerie. Voilà. Je produis plus que des avions et des armes. Ouais, il avait pas du tout développé les doctrines. Hein, À part la doctrine A, si, doctrine A. Niveau avion, il n'avait pas touché du tout. Niveau bateau, il n'avait pas touché du tout. Ah, avion, moi, j'ai pas touché, j'avoue. Ouais. En même temps... On n'avait pas prévu de perdre comme ça, je pense. Oui, on est pas trop le pays. Les Venezuela sont arrivés. Bip. Hurrah. Les amis, nous sommes à 90% du coup d'état fasciste aux États-Unis. 26 juillet, c'est le 31, t'as dit. Ouais. L'heure est grave. Et ils sont à 46% de passé fasciste. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir 46, il va y avoir 46% du territoire qui va être sous contrôle fasciste. Oh, ça va leur faire tellement mal au cul. Mais en vrai, c'est pas des Américains qu'on combat presque là. Non. La plupart, c'est des Tchécoslovaques et des Allemands. Donc en fait, il aurait fallu déclencher un coup d'État en Allemagne. Allez hop, Hitler, c'est tu reviens. Hitler qui reprend le pouvoir. Troisième coup d'État, le quatrième Reich. C'est ça. Ça veut rien dire, tu sais. Au bout d'un moment, les Allemands ils vont finir par se rendre compte que c'est une connerie. Ouais, sérieux. Ouf. L'État américain libre. Oh, putain, ça lag. Oh, je veux pas voir combien de pétards ils ont pris. Oh oui. Les mecs, ils ont 37 divisions. Vas-y, attends, je les invite dans la faction. Ah non, c'est pas moi qui suis chef de faction. Non, c'est moi. Invite-les. Oui. Oh, oui. Oui. Magnifique. Allez, maintenant, on s'occupe de l'Angleterre. On fait la même chose. On sait qu'on est mort, donc on fout la merde dans le monde avant de partir. Ça, c'est beau. C'est ça, on laisse notre trace. Et c'est quoi leur capitale? Notre trace, là, mon gars, elle est bien imprimée, là. Leur capitale, c'est Dallas. Ouais, j'ai vu voir ça. Putain. Oh, ils vont s'éclater. Et du coup, ils ont quoi, un navire? Est-ce qu'ils ont chopé des navires ou des choses? Oh, ils ont chopé que 17 navires. Oh, quoi, les États-Unis ont que 62 navires. Ça, c'est chaud. Putain, le Japon, il a plus que 6 bateaux, quoi. Il a quoi comme bateau d'ailleurs? Pas grand chose. Le Japon il fait pas un combat naval. Là non. D'ailleurs, le Japon prépare une attaque en URSS. Enfin, en URSS. C'est ces convois qui sont en train de se faire tailler en pièces là pour l'instant au Japon.
Ouais, mais c'est un convoi face à trois destroyers anglais, c'est des petits combats comme ça, quoi. Ouais. 23. Oh, les mecs, il y a des divisions japonaises qui sont arrivées en Afrique. En Afrique? Ouais. Juste au nord du Mais toi, t'es encerclé à ce point-là? Ah, je pensais pas que t'étais trop vite, t'avais vaincu une grande partie de ton empire. Ah, mais oui, t'as vu? Je m'éclate, moi, en Afrique. Je me rendrai jamais. Ils n'auront pas ma capitale. C'est quoi? C'est l'Empire américain qui souhaite soutenir notre guerre. Non. Alors non, non. Est... Occupe-toi de ta guerre, toi. Mais non, faut qu'ils soutiennent notre guerre. Faut qu'ils entrent dans notre guerre. Ouais, non, sinon ils vont se retrouver avec tous les alliés au cul. Mais c'est ce qu'on veut. On s'en fout des Américains. Ah. Qui crèvent. Mais... Ah. Bah, je peux pas les faire venir... De... Ah si, quoique. Ah non. Ah mais si, là, ils sont déjà dans la guerre, ils en fait. Ils ont quoi, au niveau bateau? Wizil, Liri, Reben, Barracuda, Bonita, Boss. Bon, ils sont qu'à 7,5 millions de morts, hein, donc c'est pas suffisant. Je te dis, ça, tu vois, on fait un coup d'état chez les Anglais aussi. On va y arriver. Ils sont à 14%. Attendez, je vais regarder. Et comment ça se fait que les Allemands sont encore à 8 millions de réserves? Je sais pas, écoute. Alors, les Allemands, plus du tout nazis, par contre, ils ont le conseil Heinrich Himmler. Oui. Oui, non, mais. Pourquoi pas? Alors. Le coup d'état aux États-Unis sera prêt, au Royaume-Uni sera prêt le 23 juillet 45. Ouais, on a un an, quoi. Ah, c'est bon. Bon, il est en guerre avec nous. Sauf qu'il avance pas contre les États-Unis, il avance pas aussi. Oui, il est con. Oh, mais attends, t'as vu les États-Unis, combien il a de divisions? Ouais, clairement. Et en fait, il aurait pu avancer très vite. Ah. Ah, d'accord. Pas que c'est Ricana maintenant. Pourquoi pas? Ah, il a un porte-avions quand même. Hein. Les Japonais passent à l'attaque. En URSS. Oh là là! Il a 6 porte-avions. Ils ont rien pour les arrêter. L'Empire américain libre, il a 6 porte-avions. Quand même. Hornet, Enterprise, Intrepid, Lexington, Essex et Wasp. Eh, mais attends, mais c'est mon territoire qu'ils vont libérer là. Bah oui! Oui! Et celui du Roumain aussi. Oui. Putain, les Japonais, ils décident à bouger. Les Japonais, ils push, là. Vous avez remarqué, en Pologne, il y a une petite enclave britannique. Ouais. Ah ouais. Putain. Il y en a une aussi au nord, là. Allez, braves Japonais, mourez pour nous. Il y a 3 divisions qui encadrent 58 divisions autour de Bucarest. Oh non, les mecs, ils ont réussi à débarquer l'Afrique du Sud. Oh non. Courage. À l'attaque, vite. Attends, non. La France? Ouais. Éliminez-les. Allez, chasseur niveau 3, chasseur niveau 3. Ouais, effectivement, la seule stratégie qu'on a, c'est de faire des gros coups d'état comme des grosses putes. Oui, j'ai réussi à repousser leur coup d'état, leur débarquement. Du coup, bah toi, tu vas rester là. Non, 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 tu restes là, toi. Non, les Japonais repartent. Quoi? Repartez pas les Japonais. Putain, ils se barrent. Copain. Pourquoi ils se barrent? Oh les putes. Ah, mais c'est parce qu'ils ont débarqué au range britannique. Mais t'as 4 divisions qui ont débarqué. Ouais. Ouais, mais c'est une IA. Hein. Regarde combien ils se barrent. Il rappelle toute son armée, s'il te plaît. Ouais, pour ça, ils se barrent plus vite qu'ils sont venus. Les mecs, ils ont mis un an à se préparer, quoi. Ouais, et ils se barrent plus vite qu'ils sont venus. Putain. Est-ce qu'on est en guerre contre l'Autriche? On est pas en guerre contre l'Autriche.
Et ils essayent de passer en... Ils essayent de passer à Bucarest, ils attaquent avec une division, ils en mettent 60 en déroute. Ah, l'Autriche, France, l'Autriche fait pas partie des alliés. Pourtant, ils leur préviennent. Oh, les mecs, ils sont fascistes! Tu crois qu'on peut pas les faire venir? Si. tu penses qu'ils veulent venir là-dedans? Non, ils veulent pas. Éviter la faction, ils veulent pas. Je soutiens la partie chez eux. Évidemment qu'ils veulent pas, attends. Les mecs, ils ont même pas leur capitale d'origine. Vous avez été obligé de prendre une vieille ville en plein milieu de nulle part. C'est ça. Salzbourg. Bon, cette bombe nucléaire, elle en est où? Le 18 janvier 45. Ça devient long quand même. Tu peux pas mettre en vitesse 4? mais à fond qu'on meurt vite, quoi. Mais non, mais ils veulent pas réussir à percer. Nous, pour rigoler, on avance de temps en temps. J'avoue, l'Inde est passée presque indépendante, c'est un dominion maintenant. Quelle Inde? L'Inde, le Raj britannique. C'est le dominion de l'Inde maintenant. S'il devient indépendant, ils auront quoi? Ce qui fait qu'il est tout... Il est fasciste d'ailleurs. Eh. Hein? Bah, il est à 54% de parti fasciste. MDR! What? En Afrique, plutôt que de tout perdre. Tu libérerais pas plutôt plein d'états africains? Ah ouais, vas-y! Attends, je vais regarder si je peux. Ah, attends, c'est où déjà? C'est là. J'ai les territoires occupés. Alors, je peux libérer. Ah ouais, mec, je peux même libérer la Bulgarie et tout! Ouais, mais je sais. Il y a une frise, là. Il y a une frise toujours. Je viens de foutre la merde. T'as libéré des trucs? Oh, mec, il a libéré l'Empire russe! Je lui ai rendu sa liberté. République de Guatemala, allez, comme d'habitude. Allez, viens. L'Arménie, c'est où? L'Arménie, c'est en Turquie. Ah. Ça va tellement être la merde. L'Empire russe. Allez. Céder le contrôle d'un état? Non. Vas-y, est-ce que je peux le faire, moi? Gérer l'indépendance. Ok, j'ai pas. Gérer les territoires occupés. Ah, c'est pareil, j'ai les territoires de l'Empire russe. Ouais, moi aussi, apparemment, j'en ai. Ouais, je lui rends quand même. Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie. Chipoum. Oh, l'Empire russe, il est gigantesque. Voilà, là l'Empire russe il est plus gros là. Attends, la chute de Sébastopol. Attends, regarde. Boum. Boum, allez, moi aussi je l'ai fait. Ce qui signifie qu'en fait, moi il me reste ma capitale. et les mecs, je vais faire la même avec la Bulgarie. Boum. Libérant en tant que ta fantoche ou jouer? Ah, genre, je peux jouer le pays? T'es sérieux? Grosse blague, quoi. Les gars, on en boum est boum! Allez, boum, la Bulgarie! Ah merde, ça m'a pété mon front, du coup. Ils ont perdu 8 millions d'hommes. Les alliés ont perdu 8 millions. Tu te fais enfoncer à côté de Belgrade. Hein. Ils essayent de foncer. On a passé les 8 millions. Ouais. Alors l'Angleterre 1 million. Oh, je les ai fait chier. Oh, c'est bien long. Attends, je vais voir si je peux pas je peux libérer la... Non, la Serbie, on va éviter. C'est... Ah, bah, je peux libérer personne d'autre. Moi, j'ai rien d'autre à libérer. Et 2 millions, moi j'avais que ça. Bon voilà, on a foutu la merde dans leurs armées. Ah bah, clairement. Ils sont en guerre contre l'Empire russe. Ah, mais oui. Mais oui. Hey, ils sont avec nous.
Vu qu'on les a libérés, ils sont avec nous. Ah, mais la Bulgarie, elle est pas avec nous, en fait. Ah bon? Ouais. Mais j'ai oublié, je n'ai pas fait un pupette, en fait, pour ça. Ah. Bon, c'est pas grave. Ah merde, on perd du territoire, ici. Ah, mais du coup, ça a foutu la merde sur tout mon front. C'est violent. Alors, petit à petit, on perd des hommes. C'est insupportable. Mais en fait, non, ma capitale, elle a rien. Elle se fait pas attaquer pour l'instant. Alors qu'il pourrait complètement dérouler dessus. Mais tu peux pas essayer de récupérer un tout petit peu de territoire? Genre, tu fais un petit arc-cercle autour des rivières, là. Je peux toujours essayer. Comme ça, au moins, j'ai envie de dire. Ça coûte rien. Oh, mais, oh non, regarde, il me perd, ça y est. Non, non, c'est bon. Ah, bon. Oh, je suis en train de faire n'importe quoi, là. Oh, c'est bon. Attaquez. Non, n'attaquez pas. Annulez. Annulez ces ordres idiots que je viens de donner. J'essaie de faire fuir toutes les divisions qu'il y a à côté de... où l'annonce. Là, il y a trop de divisions, là. Oh, mais non, mais regarde où il me perce, maintenant. Ah, oh, c'est la merde. Eh, on attaque une division polonaise. Attaquez-les. Plus vite. Plus. Putain, je perce pas, quoi. Ça y est, je suis en train de perdre tout mon territoire. Je vais me replier autour de ma capitale. Merde, ils ont percé un endroit. Repli. Non, attaque. Donc, fais des contre-attaques, en fait. Mais moi, je peux pas. Je me replie, moi. Annuler des ordres inutiles. Non mais sérieusement, quand est-ce qu'on arrête le massacre là? À minuit. Elle est encore une demi-heure de souffrance. Quel est l'objectif de mort pour les alliés? Le maximum. Le maximum. Parce que là pour le moment, on est quand même atteint les 8 millions 3. Regarde l'état de l'Empire américain libre. Non, Ah, c'est fait rect. On refuse qu'ils prennent ma capitale. Ramenez-vous ici en vitesse. Et comment ça se fait qu'il a perdu? C'est quoi ces divisions? Mais il a que 37 divisions, mec. Hein. Ah ouais, ces divisions, c'est pas fou. Et ici, tout de suite, espèce de grosse débile. Défense de Bucarest. Okay, d'accord. Hein? Le Chili a rejoint les alliés. Ouais, parce que l'État américain libre a décidé d'attaquer. Putain. Tu crois qu'on galère pas assez, tu sais? Je venais de perdre ma capitale. Comment? N'importe quoi, parce que là j'avais mes troupes dessus pour la défendre. Non, il n'y a pas de modo sur cette partie. T'as perdu 57 divisions? Non, il n'y en a pas. D'un seul coup. Putain. Bon, putain. Nous, moi, je m'en fous, on tient. Nous, ils prendront pas notre indépendance. On va gérer les armées en Afrique. Hein. Bon, du coup, l'Amérique, elle repousse sans problème. On leur a quand même bien foutu la merde. Parce que faut dire que même les Américains qui sont morts, ceux qui sont de notre côté, c'est toujours des Américains morts. C'est ça. Donc faut les ajouter aux pertes des alliés. Alors, ils sont à 2 210 000 pertes. États-Unis. Ouais, mais ils ont quand même... Attends, d'où on a 9 millions d'hommes sur le terrain? Japon. Ah ouais, c'est le Japon. Le Japon a 550 divisions. Oh putain, ah ouais, en plus avec le Siam et tout. Avec la Chine. Et l'Inde, ah ouais, d'accord. Ouais, okay. Attends, nous on a combien d'hommes sur le terrain? Ah, on a quand même 1 million d'hommes sur le terrain, nous. Moi j'en ai 646 000 sur le terrain. Moi j'en ai plus. T'as perdu, ça. Oh, regarde, il tente une attaque gigantesque de mon côté. Ah ouais, putain.
Moi, ils tentent plus rien, moi, ça, ils se sont calmés. C'est bon. Ils percent aucun endroit. Et. À nord-est de Budapest, ils passent. Chut, chut, chut. Les renforts sont arrivés. Là, ils passent plus. On passe là. Par contre, l'Empire russe est complètement en train de se faire défoncer par le. En même temps, ils avaient pas de division. Mec, ils ont 10 divisions, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent contre tout ça? C'est-à-dire, en fait, on leur a filé un territoire dans lequel t'avais 200 divisions alliées. Et du coup, la Pologne, putain, mec, elle a diminué, quoi. C'est la Pologne qui a la Bessarabie, quoi. Par contre, un truc qui me dit, c'est que je suis quand même en train de continuer à faire mes recherches. T'as vu qu'il te restait un morceau de territoire là? Oui, j'ai. C'est la Belgique. Non. Ah, non. Oh, il lui reste du territoire, française. Mec. Il lui reste du territoire. La Floride. C'est pas fini. Oh, mec, je peux tenter un autre coup d'état. Ah non. Ah merde, comme ils sont encore en guerre civile, je peux pas. Oh, fais chier, dommage. Pas d'eau d'affilée, non. Dommage. Surtout qu'il leur reste encore 18% de fascistes. Le prochain, c'est. C'est. L'Angleterre, ils sont à 40% du coup d'état. Mmh. Vas-y, je commence à influencer aussi en. En Allemagne. Allez, juste pour rire, pour voir si ça marche, je prépare un coup d'état en France. Ah, c'est bon, on a des V2 qui commencent à partir, regardez. Tiens. Ah bon? Ah ouais, oui, regarde. Ah oui. Je les vois pas, ils sont où? Ils sont juste à côté de ta capitale. Ah ouais. Ouais, ils sont sur une région que tu risques de perdre parce que tu la défends pas. Par contre, les V2, je les vois pas décoller. Je vois la base, mais. On va passer en exportation fermée, en économie fermée après. Alors, désolé, je ne comprends pas le. Si c'est du grec. Je ne comprends pas le grec. Alors, j'ai quelqu'un qui demande si tu peux jouer à notre pays. Moi? Ouais, toi. Oui, il peut. Non, il peut pas. Pourquoi? En théorie, c'était moi le chef de la faction, donc je pense pas que je puisse. Et puis, je jouerai quoi, à la Bulgarie? Ouais. Non, il peut pas tout simplement parce qu'on a pas tout, parce que toute la faction n'a pas capitulé. Ah, il faut que ces deux zigotos ils perdent d'abord parce que si je veux changer de pays. Mais sauf que si ils perdent, si jamais ils perdent, la partie est finie donc. Voilà. Si jamais on c'est perd, la partie je la renouvelle pas. Hein, je préviens. Non. On se calme. Coup d'état prévu en France. 29 décembre 45. MDR, c'est la Roumanie qui fait un coup d'état alors qu'elle a plus de territoire. Elle est bonne celle-là. Putain, on a balancé tous les V2 qu'on avait. Mec, t'as vu mon territoire en Afrique? Mais s'il te plaît, j'ai 10 divisions en Afrique. C'est abusé, je me suis en train de me faire tellement plaisir. Le type a 10 divisions, il a bouffé toute l'Afrique. Les gars, ouais. c'était des dieux, quoi. Peut-être qu'il y avait simplement personne en France. Oui, il y avait aussi personne, du coup, ils sont en train d'envoyer des divisions, là. Non, les laissez pas faire. Ne laissez pas bouffer le territoire hongrois. Battez-vous. Bon, à qui je vais passer mes 91 convois qui ne servent plus à rien? Bah, moi, j'ai encore des côtes. Alors, ce sera à toi. Ah, je peux envoyer un corps expéditionnaire. Ouais, sans division, c'est pas mal ça. Sauf que j'ai aucune armée à envoyer. Modification des travails. Ah d'accord, mec. Je viens de trouver un des états que les États-Unis ont annexé. C'est l'Albanie. Les mecs, ils sont annexés l'Albanie comme ça au pif. Ah, on m'envoie des convois, merci. Ouais, c'est moi, je t'ai envoyé 91 convois, mais j'en ai 82 quand même. Ouais, il faut le temps qu'ils arrivent en fait.
Moi j'en ai 330. Et je peux rien en faire. Mmh. Apparemment je fais du commerce, mais avec qui je sais pas. Je fais pas de commerce. Et il me dit qu'il l'utilise pour le commerce. Ah mais c'est parce que tu m'envoies des convois, c'est vrai. Ah, je vais bientôt passer en déj de... En déj d'armes bientôt. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Non, on a toujours des tonnes d'armes, nous. Moi, il me reste 3400 armes. En stock. Il me reste 125 000. Ça va. Ouais, c'est l'empire de la... c'est la fin de l'empire yougoslave, Louvard. Les derniers avions que j'avais, je les ai lancés à l'assaut pour... Mec, moi, il me reste... Il me reste 10 appuis aériens au sol de niveau 1. Moi, j'ai 80 chasseurs, 29 appuis aériens rapprochés et 19 bombardiers tactiques. Il me reste 31 chasseurs. Je pense que ça va être suffisant pour lancer une bombe nucléaire. J'en ai 80. Mon Dieu. Oh, c'est bon, on a produit un V2. Lancez-le. Ça coûte mon Dieu, il a un V2. Balancez-le, ça n'a eu aucun effet, c'est pas grave. Ça a touché un territoire qu'on va reprendre dans 15 minutes. Putain, mais les mecs, ils attaquent comme des gros porcs. Ça fait rien, quoi. J'ai 230 000 pertes. Et je remercie les 16 personnes qui suivent le live en ce moment. 16 personnes ? Ouais, 16 personnes. Notre... Bande de salopes. Vous regardez des gens se faire violer, c'est pas bien. C'est interdit par la loi. Non, il faut c'est pas mal. Perdre ce territoire, vite. Ah oui, regardez ce qu'on se prend là. J'ai aussi, mais c'est... il me reste mes 6 destroyers. Ah bon ? Oui. Ah oui, putain. sauf qu'ils peuvent pas bouger, mes destroyers. Hors de portée navale. Ah, t'as plus de port, c'est pour ça. Ouais. Putain, ils ont percé le territoire. Vite, reprenez. Ouais, ils ont fait une bite en bas. Contre-attaque. Oh, j'ai désolé, gagné des ressources. Ça y ressemble. Je suis passé en économie fermée, j'ai gagné des ressources. Ah, moi, économie fermée, je l'ai mis depuis tout à l'heure. Oh, mais moi, j'ai pas ouais, les points. Ouais, je suis à 633 000 de recrutables. Le coup d'état en Angleterre est à 50%, chers amis. Je vais essayer au moins de tenir jusqu'à là. Le président yougoslave, faut qu'on survive. Je voulais voir mourir. Alors il y a Louvard, il y a la Roumanie qui a capitulé parce qu'elle s'est fait avoir par les armées. Ils ont piqué ma capitale. Voilà. Il y a eu un bug en fait, si tu veux, parce qu'au moment où ils ont piqué ma capitale, j'avais 60 divisions dessus, alors que l'affichage du combat était en vert, donc j'avais l'avantage. Voilà. Mais après il y a la Hongrie là. Le lag a fait que le résultat ils l'ont piqué quand même, donc j'ai perdu. Et moi j'ai encore ça plus. Tout ça, bleu. Ouais, lui, c'est encore une grosse partie de l'Afrique. C'est ça, par contre, t'as la France qui a décidé de se réveiller un peu. Ouais, bah, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais je suis en train de revenir. Je suis toujours en train de faire mes recherches, moi, ça m'éclate. Putain, on a du mal, hein. Oh putain, regarde, ils ont percé, moi, avec des putains de tanks. Ouais, nous aussi, perce un peu partout. Là c'est la débandade, on essaie de faire des contre-attaques, mais Ah, mais on contre-attaque, moi... C'est du char moyen, c'est du charman, ces trucs. Ouais, bah nous, en plus, on a même plus d'anti-tank, quoi. Laisse tomber. Allez, on attaque. Oh oui, ça passe. Oui, on attaque, allez, go. Coucou, gadget au chapeau. Il en est où, ce brave empire russe? Oh putain. C'est vrai, l'empire russe, il galère, hein. Il tient beaucoup. Et sa capitale, et c'est Moscou, il a une division dessus. Il a que de la cavalerie. Ah non, il a des chars. Repousser l'envahisseur, ils ont des tanks, on s'en fout. Lancer les hommes dessus,
Mettez les bombes sur les hommes et lancez-les sur les chars. Mais mec, j'ai réussi à repousser des chars. En même temps, je suis en montagne. Ah ouais? Mais en fait, je peux pas faire des bunkers. Oh, si! Ah non, le 24 mai 45. 2. Oh, ça a reculé. Le 24 mai 45, j'aurai le réacteur nucléaire. Ça va mettre tellement de temps à produire le... La bombe atomique, ça va être horrible. Oh, en plus, je suis même pas sûr de pouvoir la lancer, quoi. Tout ça. Moi, juste pour voir, je m'étais amusé à en lancer une contre des IA, ça fait pas tant de dégâts que ça. Ouais, mais ça nique le moral, en fait. Ouais. C'est drôle. Et puis c'est drôle. Oui, ça fait un gros boom. J'avais lancé, je crois que j'avais lancé en... Nous, il y a une partie où on a essayé les bombes atomiques. Ouais, je t'invite d'aller la regarder. C'est, moi, je jouais la Turquie, France, l'Espagne et Marc, la Hongrie. Je te dis, on s'est éclaté à la fin. Bah, à la fin. Bon, ben moi, ça y est, je suis en train de perdre. Je suis en train de me faire percer dans tous les sens. À ne pas prendre. À ne pas... Oui, non, à pas prendre dans tout. Non, ils vont prendre Budapest. Pas interpréter, je vais dire. Ah putain, ils vont prendre Budapest. Non, les laissez pas faire. Bon, après, s'ils prennent Budapest, toi, tu capitules pas. Ouais. T'es sûr? Ah non, oui. Il n'est qu'à... Moi, il me restait plus... J'avais plus d'autres villes, donc... Oui, toi, t'avais plus que ça. C'est ça. Allez, on attaque! Empêchez-les de venir! Vite! Go, 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 go! Ils en sont combien de morts? 9, presque 10 millions de morts! Mais c'est ça qui est bon! Oh putain, on a réussi à récupérer le territoire, les amis. On va gagner. Gagner à ce niveau, ça tiendrait du miracle ou du gros bug du jeu. Non, mais. Genre les divisions IA qui arrêtent d'attaquer et puis qui font que se replier. Simplement les pays qui se rendent parce qu'ils ont pris trop de pertes. Ouais, ça pourrait aussi. Ça peut exister ça dans le jeu? Non. Ah, c'est dommage. Mais on peut rêver, ok. Il reste encore des porte-avions à l'Empire américain libre. On améliore nos V2, petit à petit. Merci pour ton abonnement, Maximus. C'est bien, tu nous vois souffrir. Ils sont tous méchants. Tu nous vois dans notre bonne journée. Ils veulent tous qu'on souffre. Ça, il reste deux porte-avions. Oh merde, ils vont prendre Budapest. Encore? Oh putain! Oh, ils ont fait une percée à moi de YOLO. Bon, il y en a un qui a fait une percée, on va le calmer. Le Japon est trop fort, mais le Japon s'en bat tellement les couilles qu'il est parti chez nous. Ah ouais, le Japon là, il est là, mais on le cherche. Genre, il y a le Brésil qui a débarqué en Corée. Quoi. Quoi? Le Brésil, il a débarqué en Corée. Ouais, il a pris Busan. Et il y en a qui tentent de débarquer au Japon, mais ils n'y arrivent pas. En même temps, il y a une division américaine qui essaie de débarquer au Japon. Là, il y a des unités manchoues qui sont en défense. Ouais, mais je pense qu'ils vont avoir besoin au final de la bombe nucléaire pour terminer cette guerre. Il va falloir quelques centaines de bombes atomiques si on veut achever ça. Ouais, en sachant que moi, mon truc se finit le 25 mai, mais ça va être tellement lent à produire que je serai mort avant, quoi. C'est ça. Que nous, on balance des V2 pour rigoler, mais qu'on n'y prend pas trop. Ouais, tu balances des V2 quand t'en as une, hein, déjà. C'est ça. Alors, on va y voir les pertes. Oh là là, ils attaquent partout. Oh, toi, tu vas arriver au million de morts, toi, peut-être. Vraiment? Ah ouais. T'es à 923k. Moi, je suis à 250 000, je stagne. Mais moi, il m'attaque pas autant que toi, en fait. Non, mais moi, il m'attaque tout le temps, on ne te rend pas compte. Regarde, il perce partout, là, c'est le Brésil.
Alors, moi, ils vont ramener le coup d'État en Angleterre. Non, 63%. Ah. C'est bon, regarde. Moi, c'est la fin, je pense. Ta base de V2 est tombée. Les alliés ont des V2, attention. Budapest est tenu par une division. Ouais, pendant que les autres contre-attaquent. Moi, ils tentent de débarquer depuis tout à l'heure, ils n'y arrivent pas. Ils font des pertes comme on fait ça. Regardez, en fait, ils débarquent de. Mais les mecs, ils débarquent de du port en Dalmatie pour aller au port au Monténégro et. What? Ouais, j'ai fini la recherche pour le réacteur nucléaire. 400 jours pour les bombes atomiques. Pensez-vous que je pourrais un jour avoir au moins l'occasion de voir 2 ou 3% de. D'une bombe nucléaire près. Désolé, les pronostics sont ouverts. Moi je dis moi, les pronostics. Je pense que tu rêves. Mais effectivement, ça tient plus de l'utopie que de la réalité. Désolé. Je suis en train de regarder qui a combien de divisions. Moi j'ai 6 bateaux. Non mais chez les alliés en fait. Est-ce que les alliés, la Grande-Bretagne, ils ont entre 177 et 267 divisions? Ça va. La défense de Budapest se fait. La base de V2 est sur le point de tomber, mais en fait non. Mais on l'a repris. Pour ça que je dis qu'elle est sur le point de tomber. Banane. Bah non, elle est pas sur le point de tomber. On est en train de faire une contre-attaque. Sérieux, France, t'as fait des parachutistes? Oui, parce que. Parce que. Le mec il en est à ce niveau là quoi. Non, mais en fait c'est pas que les parachutistes. La dernière infanterie possible quoi, les parachutistes. Ils ont besoin que de fusils les parachutistes. Chute de Kiev. Elle a été capturée par les troupes allemandes. Ah. Oui, D'accord. Ah, République d'Allemagne, ouais c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut foutre là-bas? Bon. Ils ont fait une contre-attaque, ils ont repris une partie de notre territoire, mais on l'a repris instantanément. Vous voulez pas vous rendre? Nous, ils y arrivent pas, là. Ils arriveront jamais à prendre le territoire hongrois. Ben, en fait, si, ils peuvent, mais c'est juste qu'il faut qu'ils lancent toutes leurs unités d'un seul coup dans le tas. Enfin, ils ont essayé une grosse attaque, là, il y a 2 minutes. Ils me percent ici. Oh, ma... Vite. Envoyez du soutien, vite. Plus de... Oh, attendez, je vais tenter un truc. Boom. Allez, s'ils arrivent aux 10 millions, c'est magnifique. Ça va combien là? Oh oui, on va y arriver. On va tomber. C'est des Grecs qui m'attaquent quoi. Au sud, il n'y a plus que des. Oh, mais il n'y a plus personne au sud! Ils sont partis où, les États-Unis? Il y a des divisions américaines à Taïwan. L'Espagne n'est pas vivante, non. L'Espagne est morte. Il reste un morceau de territoire des Baléares. L'Espagne et deux trois îles. Et le Maroc. Oh si, putain, regardez, ils sont au Maroc. Ouais. L'Espagne qui résiste tant bien que mal. Moi je dis, on peut arriver jusqu'en 48. Hein. Avec de la persévérance. 21 mars 45, il est pour quand ton coup d'état en Angleterre? C'est en juillet, non? C'est juillet, je vais te dire ça. 23 juillet 45. Il est à 40% d'être fasciste. Il est actuellement à 70%. Oh putain, les Grecs qui ont percé quoi. Putain de Grecs. Ils ont mangé trop de moussaka au petit déj, c'est pour ça. Ah, on vient de libérer une partie du territoire yougoslave. Ah bon? Ouais. Où ça? Ah oui. Ouais. Mec, il a libéré deux provinces. Enfin, deux cases, là. Trois. Ah non, deux. Deux, ouais. Non, parce que l'autre, c'est les Allemands. C'est ce qui compte. C'est l'intention qui compte, comme on dit. Tiens, on va libérer la province où il y a les Allemands. On va tuer ces Allemands. À mort les Allemands. Butez-les tous. Bon, les Jets, ils font quoi là? Ils font rien, voilà ce qu'ils font. 15 roquettes en attente d'ordre.
Tirez à Tchécoslovaquie, tiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, c'est des bâtards. Oh, regarde les bâtards, ils sont en train de me percer là. Et les V2 qui partent, c'est beau. Oh, il en a 12. J'adore voir les V2 qui se crachent comme ça. Oui, qui s'arrêtent par terre. C'est ça, le truc qui sert absolument. Non, 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 vous passerez pas là. Oh, je suis en train de complètement lâcher mon front. C'est n'importe quoi. Il me reste mes avions. Ah, j'ai toujours mes avions. Putain, je suis en train de perdre toutes mes usines civiles. Du coup, c'est en train de reculer au niveau de la date. Maintenant, j'aurai mon réacteur nucléaire le 1er juillet. Le 1er juin, pardon. On est le 4 avril, il y a encore 2 mois. Deux petits mois, s'il vous plaît, 2 petits mois. Ouais, j'ai pas fait gaffe, mais l'Empire russe, il a un truc au nord de l'Iran aussi. Ah ouais. C'est le territoire du Roumain, ça. Et t'as le japonais qui se touche. Oui, c'est ça, bah oui, c'est ça, c'est à moi, ça. Le japonais qui se touche, quoi. Mais clairement. Les japonais, ils sont occupés à manger des sushis et à regarder des mangas. Je veux te dire, les japonais, ils sont coincés en plein milieu de la Russie. Ils pourraient tellement rouler sur tout le monde, quoi. Bah, les japonais, ils ont combien de divisions? Oh non, ils passent à l'attaque. Ils ont 120 divisions. Oh putain, on les défonce. Et attends, il lance qu'une ou deux divisions sur chaque plan aussi. S'il lançait tout, l'attaque durerait 5 minutes. S'il lançait tout, c'est vrai qu'ils nous défoncerait la gueule, mais ils le font pas. Donc... Ils ont quand même des tirs. Hein. La question reste, est-ce que nous avons des bombardiers? Non, moi j'ai pas de bombardier. Moi j'en ai pas. J'ai du bombardier tactique, mais j'ai pas de bombardier stratégique. Alors, j'en ai 0 pour l'instant. C'est pour ça que j'essaye. On a surtout pas de quoi les produire en fait. J'essaye de les produire, mais ils m'en produisent 1,50 par mois. Je mets toutes mes usines dessus. Produisez-moi ce putain de bombardier. Il en faut un. Il en faut un seul et ce sera bon. Maintenant on a les Suka. Où ça, des Suka? Je sais pas, on les avait récupérés, mais on a ça. Ah. Non, mais je... Ah, des B-25. Et des 109 aussi qui décollent. De toute façon, on est sur la fin, là. Je suis en train de me faire défoncer, donc... On tue sur la fin. Nous, on tient. Non, on va les encercler. On va les encercler. Toi, tu tiens. Oui. Moi, je suis mort. Oui, mais toi, t'es mort. Non, il y a un char, vite. Défoncez-moi ce char, putain. Jesus, tu as encore 3 minutes à tenir. Ouais, après c'est minuit, ça. C'est ça. Après c'est les... Alors, au pire, on attend... Ouais, non. On attend pas jusqu'à... Non, mais... Moi, je voulais juste attendre pour voir le coup d'état. Ça va rien changer, mais... Non, ça va faire chier. Boum! Allez, j'ai encerclé des divisions grecques. In your fucking face. Allez, boum, on va tuer des Grecs. Niveau mort, ils en sont où? 10 millions. Ils ont passé les 10 millions? Oui. Oui. La République d'Allemagne qui est à 13% de capitulés, comment c'est possible? On cherche pas. Parlement britannique, ok. Hein? Attends, ah oui, d'accord. Maintenant, ils veulent buter le Benelux, quoi. Les mecs, c'est des fachos maintenant. Sécuriser la Belgique. Ça, je tiens à dire qu'on combat pas les alliés là. Là, on combat les Tchécoslovaques. Et des Allemands. Je vous. Bon, moi, j'ai des mecs d'Afrique du Sud. Ouais, c'est ça. J'ai encore, j'ai encore des Américains. J'ai des Grecs. Ils vont attaquer. Le prochain, les Anglais qui butent la Belgique. Ouais, mais qui la transforment en état fantoche. La Belgique fait partie des alliés.
Ouais, mais si c'est via une priorité nationale, l'objectif de guerre va se faire quand même. Ils pourront pas le déclencher, mais ils vont ça à certains. Ce qui veut rien dire. Je m'en fous, mes destroyers ils tiennent quand même. Lui qu'il a encore des destroyers lui. J'ai 6 destroyers, les 5 destroyers que j'ai que j'ai au large de Rhodes, ils tiennent quand même. Hein. Et ils sont full. Ils sont full life, full organisation. Les mecs leur pays a capitulé, ils s'en foutent. Ce qui compte c'est de tuer des alliés. Des psychopathes. Quoi ? Pas attaqué. T'as vu la petite poche grecque au milieu de mon territoire, France ? Elle n'existe plus. Et voilà. Et pam, ça fait des chocs à pic. On tient sa mère, putain. France qui va passer les 1 million de morts bientôt. Non, jamais. Ah si, à chaque attaque on perd beaucoup d'hommes. Allez, 80% pour le coup d'état en Angleterre. On y est presque. Et moi je suis à... Oh oui, oh oui. Plus que 3 semaines et j'aurai un réacteur nucléaire. Hey, mec. Ouais. Tu sais combien ils ont perdu de chars depuis qu'ils nous attaquent, enfin depuis un an. Non, j'ai perdu 2 destroyers. Ils ont perdu 5000 chars chez moi. 5000 ? 5000. 3000 chars moyens et 2000 chars légers. Putain. Le truc juste abusé quoi. Et ça, c'est que depuis un an. Et ça fait un an et demi qu'ils nous attaquent. Non, j'ai perdu 2 destroyers. Bon, dans 400 jours, j'ai la bombe atomique. Ouais, dans combien de temps, moi ? 93. Est-ce que j'ai des bombardiers ? J'ai 5 bombardiers stratégiques. Maintenant, on va reproduire plein de chasseurs. Full chasseur, allez ! Allez, on reproduit 1,23 par semaine. Ça va, c'est par semaine, ça aurait pu être par mois aussi. Ouais. Enfin, à la cadence où je les perds. Ouais. Je peux te dire, j'en ai plus que 10 de chasseurs. Nous, heureusement, c'est d'ailleurs, des avions américains. Moi, mes avions. Il reste encore 4 appuis aériens à brocher. Mais mes avions, je les perds pas, c'est que j'ai fait quelque chose de mal ou pas. Peut-être qu'ils se battent pas aussi. Bah, normalement, ils auraient dû être saisis, mais. Mec, je suis encore en train de recruter des soldats. Ah, des P-51. On va arrêter, hein. Soldats, ça sert à rien, là. Ils attaquent pas, je suis sûr que je pourrais les démonter. Il y a du P-25 qui arrive. Non, ils vont bombarder l'aérodrome. Ouais, ça passe pas, là. Ça sert à rien. Attends, on reprend du territoire, quoi. T'as vu, avec tout ce qu'ils ont, ils pourraient me défoncer, mais non, même pas, ils avancent pas. On va passer en vitesse 5. Ça va laguer un peu, mais c'est pas grave. Non, ça lague pas. Oh putain, ça freeze. Oh putain, on est passé en vitesse 3 tellement. Non, 4. Ouais, je vais en remettre vitesse 4. Putain, on aura. Oh oui! Oh non! Quoi? Oh, il faut que j'attende d'avoir la recherche de la bombe atomique pour que ça commence à produire. Encore 75 jours! Moi, la bombe atomique, ah, je l'ai dans 307 jours. Mais toi, t'as même pas de territoire. Ouais.
Allez, on est presque au 90% pour le coup d'État. D'ailleurs, moi, d'ailleurs, le mien en France. Ah oui, tiens, c'est vrai que t'en as un en France. Presque à moitié. 29 décembre 45. Non, il me reste plus qu'un seul. J'ai réussi à tuer un sous-marin. Destroyer contre destroyer. Merde, là, il y a un sous-marin qui s'emballe. Ben, triche pas. Je m'en fous, il y a les avions d'Américains qui m'aident. Ils t'aident pas, les avions américains. Si, c'est les bombardiers de l'Empire libre. Ah ouais? What? Il lui reste des bombardiers à lui? Ouais, bah, il y a eu un moment, là, il y a un duel entre. Ah ouais, putain, le mec, il lui reste 3300 avions, quoi. Pourquoi pas? Et vous vous rendez compte que vous êtes encore en train d'influencer. Ah non, en janvier. Il n'y a rien dit. C'est moi ou la France est en train de buter l'Allemagne Non, c'est l'Allemagne qui lui cède du territoire. Ah. Non, ils sont dans les alliés tous les deux, ils peuvent pas se buter. Ah, c'est temps d'un débarquement. Bon, j'ai perdu mes 5 destroyers au large de Rhodes. Il me reste plus qu'un au large de Sébastopol. Au Japon, ça arrive pas à débarquer l'ennemi. Il y a toujours le Brésil qui a débarqué en Corée. Ils ont été rejoints par. Il y a l'Inde qui a débarqué. Le Canada, aussi. L'Inde, les Pays-Bas. Les États-Unis. Si, les Américains, ils passent. Il passe à la tête. 3 contre 1. Libéria rejoint les alliés. Waouh, oh. Quelle menace. Libéria, c'est l'état de merde en Afrique là. C'est ça. Oh putain, oui, il passe à l'attaque. Bandai. Oh, l'Empire du Sam, il est en train de se faire péter la gueule ou quoi? Oh, il y a les Américains qui ont débarqué à l'Empire du Siam. Ah bah oui, ils ont perdu leur capitale. What the fuck. La deuxième base de V2 est prête. Ouais. Plus de V2. Agression hongroise pour la Slovaquie du Sud. C'est parti juste d'une petite dispute territoriale entre deux petits pays des Balkans. Et ça finit, ça a dégénéré en guerre mondiale absolue. Et c'est parti du fait que France a voulu la Slovaquie du Sud, et du coup il a attaqué. Il se retrouve en guerre contre les Alliés, après on l'a rejoint. Par contre, comment vous êtes retrouvé en guerre contre et les Alliés et l'Axe? Parce qu'en fait, l'Axe m'a déclaré la guerre après. D'accord. Et l'Italie, parce que l'Italie avait des revendications sur des territoires à la Yougoslavie, donc moi. Et du coup, on est en train de finir l'URSS et tout le coup, il déclare la guerre, tu vois, en mode YOLO. Ah. C'est-à-dire que mes visions sont jamais allées aussi vite que ça pour entrer à la maison. Tu m'étonnes. Hey, il est minuit 10. Allez, le coup d'État, c'est pour bientôt. 94%. Et il reste 10 jours. Oh, on entend une attaque. 23 juillet, 2 juillet. Il reste 45 jours. Il reste 2 semaines et demie. Nucléaire. Après, il va falloir 300 ans le temps d'en produire une. Oui, bon, après, c'est... Oh putain, ils ont repris ce bout de territoire là. Barrez-vous. Lâchez-moi avec ce territoire de merde. Mais barrez-vous. Vous avez pas la possibilité de tenir le territoire. Laissez-moi. Oh, je peux prendre du terrain. Je peux prendre du terrain, mec, tellement. Quand on regarde les assauts sur mon territoire, il y a des endroits où ils perdent 10 000 hommes dans les combats. Et j'avoue qu'ils galèrent comme des gros. On va monter en mort. Soit ils perdent entre 1000 et 2000 hommes. Tu te bats contre Von Richthofen. Ouais. Donc soit ils perdent entre 1000 et 2000 hommes et moi je perds 0 hommes, soit ils perdent 10 000 hommes et moi j'en perds 1000.
Est-ce qu'il me reste des avions? Ouais, il me reste 20 chasseurs et 4 appuis aériens rapprochés. Je vais aller loin avec ça. Et je peux déployer mes... Je déploie mes bombardiers, mais je vais pas les leur donner d'ordre pour l'instant. Moi, mes avions, par contre, je sais pas si... Ah, putain. Qui ça qui, ah ben... qui a combien de manpower, Audrey? La Grèce, elle en a... 539 voilà, 000. Putain, pour l'Italie, elle a 6 millions de manpower, quoi. Pour donner l'ordre aux avions d'attaquer, je fais comment? Ah oui, d'accord, c'est ici. 7 millions pour l'Allemagne. Ouais, mais ils sont à 20% aussi. 1 900 000 pour... eux, ils sont en fond de tiroir, quoi. La Pologne, 300 000. L'Empire russe, 7 millions. Bah oui, pourquoi pas. L'Angleterre, du coup, c'est ouf. On peut pas choper l'Angleterre par là? Ah non, c'était l'Allemagne, 7 millions. L'Empire russe, il a que 800 000. Putain, ils veulent vraiment percer chez moi. Je vois ça. Ils ont l'air de pas trop mal se démerder, en plus. Attention, les amis, nous arrivons au moment fatidique du coup d'État. Ah. Le 23 juillet, nous sommes le 19. Mon destroyer en mer Noire, il tient bon, hein. Il veut pas se rendre. Faut lui donner un nom épique à ce live. Enfin, je l'ai appelé le live de toutes les galères. C'est pas les galères, là on est les héros, là. Le live de tous les espoirs, plutôt. le live de... Le live du massacre. Le live du last stand. En fait, c'est le live de toutes les galères, c'était la première fois, parce que la première fois, on a recommencé 3 fois. Ouais. Ça y est, oui ouais. Oh putain, ça lag. Ouf. 1 FPS. Oh, tout ça pour ça. Tout ça pour un territoire de merde, quoi. Ils ont une division. C'est... Bon, allez, on les invite, quand même. Bon, bah, rip. Bon, bah, je propose qu'on se laisse détruire France. Non, jamais. T'es sérieux? Ah, mais moi, qu'ils essayent de me détruire. De toute façon... Ouais. Alors, je vais poser ma question à la commune. Okay. Hein? Le Pérou? C'est what? Le Pérou? Il va se faire démonter par les... Oh putain, mais il a combien de divisions, le Pérou? 3 tonnes. Mais ouais. Mec, il a 60 divisions. Je vais poser la question aux abonnés qui sont sur le live. Est-ce que je supprime mes divisions ou pas? Donc, si... Le Pérou a 60 divisions, quoi. Lance une énorme charge, moi je dis. Une énorme charge. Ouais, essaye de rallier Budapest. Allez, on va faire ça. Alors là, tu laisses tomber une division en défense à Belgrade pour tenir un maximum. Et tu fonces sur Budapest. On va leur donner un ordre d'assaut. Ils vont arriver à me le tuer, mon destroyer. Ouf. Ah, un croiseur léger qui s'avance au combat. Ils ont eu mon destroyer. Et ils ont toujours pas eu mon destroyer. On va supprimer l'or. Ah, il fuit mon destroyer. Je charge jusqu'à la mort. Il y en a plein qui me disent vas-y, charge jusqu'à la mort, allez, on est des fous. On va rallier Budapest. France, j'arrive. Ouais, mais là, moi en fait, si je perds, ce sera au manpower. Oui, bon, 80 000 de manpower. Et j'ai 635 000. Je suis sûr qu'on pourrait, si on le voulait, comme ça. La grande Hongrie. Non, t'es sérieux? Quoi? J'ai trop cru que c'était l'Autriche. Non, c'est... L'Empire britannique, ça fait une tache dans l'Angleterre. C'est une petite tache bleue, tu sais. N'empêche, ça leur a enlevé 120 de. Ouais. D'acier. Cette connerie. Allez, les roues aussi. Ouais,
appelle le Pérou dans l'autre guerre. Allez, le Pérou, go, go, go. Il va se faire défoncer par... Oh, le Pérou, il va le Pérou, il va attaquer le... Le Brésil, peut-être. Et le Chili. Oui, il est en guerre contrôlée. Oh, le Brésil, il attaque le... Le Pérou attaque le Chili. C'est quoi, on va mettre les trucs pour produire les chasseurs moins plus vite. Pardon. Et j'arrive pas à l'accepter. Ah non, je peux pas. Ah, les viewers ont décidé que c'est de sonner la fin de la guerre. Ouais, ils m'ont dit charge jusqu'à la mort. Non. Le respect. Le souhait du viewer est absolu. Tu te dois de charger. Attendez les mecs, dans un jour j'ai la bombe nucléaire. Allez vas-y, lance-nous une belle bombe. Non, dans un jour je peux produire une bombe nucléaire. C'est différent. Ouais. Alors, combien de temps pour produire une bombe nucléaire? 183 jours, d'accord. Nope. Bon ben. Oh non, ils attaquent, putain. Oh la vache. Oh, ils percent. Ah, je croyais que c'était des alliés, pas des perses. LOL. C'est nul. LOL. Zéro. Hello, Capitaine Stark. Vous êtes prêts? Attends, j'attends qu'ils aient fini d'attaquer, là. Chargez, bande de noobs. Oh putain. Regarde, c'est tout rouge. Tu nous demandes de reprendre Jérusalem. Mais... Mais on peut pas. Nous, on veut bien. Chargez. YOLO. Oh, mais ça passe pas, mec. Laisse tomber, hein. Non, si, charge jusqu'à ce que ça... Ah si, ça passe. Ah si. Ça y est. Sur des forts, en plus. Le mec, il charge sur des forts. On a plus de secondes. Tellement qu'on a foutu, on cherche. Avec cette connerie, je suis en train de prendre un tanker mort dans la gueule. Mais ah, il a 5 divisions maintenant, le. L'anglais? Ouais, bon, il. Ouais, c'est pour l'anglais, il a perdu des capines. Il va se faire défoncer. Ah, il a 6 porte-avions. 6 porte-avions, mais pas d'avion pour mettre dessus. C'est trop ça. Je pense qu'il a pas d'avion, quoi. Si, il a 1130 avions. Le mec, il a plus d'avions que nous trois réunis, quoi. Mec, niveau avion... La charge de la vie. Oh, ça passe. 110. Ouais, ça passe. 130. J'ai un peu moins de 140 avions. Moi, j'en ai... Qui se battent pour le compte de la Yougoslavie. J'en ai 33, moi. Mais moi, je les perds pas, mes avions, pourtant, ils ont pour ordre la... Ils sont censés aider, mais ça marche pas. Reprenez Jérusalem, Deus Volt. Allez, on rush, le fort, ça passe sur le fort. Allez, ça passe sur le fort, YOLO. Je te rappelle que t'es en économie civile, quand même. Non, j'en ai combien de guerre maintenant? Bah, t'es sûr? Ah oui, je suis sûr maintenant. Et je peux pas passer à mobilisation totale, bientôt la mobilisation totale. Je suis à 10% de la nuke. Ouais! On lancera une bombe nucléaire sur le monde! Je sais même pas sur qui je vais la lancer, la bombe nucléaire. Je pense que je vais la lancer random sur des troupes. Tellement j'ai pas de truc. Mec, je suis en train de percer, regarde. Oui, je suis passé. Oui. Oui. On va faire la jonction. Attaque. Oui. Attaque, je fais la jonction. Allez. Ça passe en plus. Ça passe, mec, regarde. Oh, il y a les Panzers qui passent de l'autre côté, ils vont pas. Non, non, on est plus rapide que vous. C'est pas vrai. Non. On est plus rapide. C'est un mensonge. C'est un cap, que dis-je? C'est une péninsule. Oh, je peux faire des bombardiers à réaction, quoi.
Il faut 1000 jours pour les faire. Ah, je fais des recherches en t-shirt. Oh, ça passe plus. Ah, je suis trop déçu. Ah putain, les Anglais, il leur reste plus que deux provinces. Bah, ils en avaient deux là-bas. Ah, oh, maintenant, ils en ont plus qu'une. Ah, ils vont se faire défoncer. Ouais. Allez, tenez bon. RIP, l'Empire britannique. Non. Le mec, il a quand même chopé 48 000 pertes. Hein. Je sais pas comment ils font pour choper autant de pertes. Allez, on va assister à la mort de l'Empire britannique. Ouais. Et pourquoi c'est pas marqué qu'ils ont capitulé? Ah si, ça y est. J'ai mes divisions en Afrique, elles ont plus de matériel, elles ont plus d'organisation. Ah oui. Je peux même pas les bouger. Elles ont plus d'organisation, je peux même pas les bouger. Oh, on est en train de se faire démonter là. Oh, l'Empire russe qui va bientôt capituler. Ils sont à 95% de capituler. Et le Japon, dans son coin là. Bah, le Japon, il fout rien. Le Japon, il joue défense. Voilà. T'aurais dû prendre le contrôle du Japon. Ouais, j'avoue. Ça aurait dû être moi en fait qui aurait dû partir japonais parce que moi par contre avec le Japon et tout ça, l'Europe je lui roulais dessus. Hein. Oh putain, il vient de me créer des divisions le con. Moi j'en crée plus depuis un bail. Je suis à moins 13 000 d'armes, alors bon. Il crée des divisions, c'est un peu mort. Attends, moins 13 000 ? Comment se débrouille le Pérou ? Le Pérou est en train de démonter le Chili et le Brésil. Et il a encerclé 15 divisions américaines. Ah bon ? Ah ouais, mais elles ont un port, les divisions américaines. Ah puis non. En plus, c'est même pas des divisions américaines. Ah ouais, ils vendront pas américains dessus pour toi. Si, il y a 6 divisions américaines. 3 brésiliennes, une du Pays-Bas, une du Canada, une du Chili, 2 du Canada. Soldats, à l'assaut! Attends, Hurra! Oh, je suis passé! Ça passe! Ça lag, mais ça passe. Oula! Allez, go! Allez, ils vont peut-être passer les 13 millions. Ça va passer! On va faire la jonction. On va y arriver. Moi, je défends tellement plus mes frontières. Non, on va défendre Belgrade quand même. On va faire. T'as refusé mon. Ah non, j'ai juste pas accepté, je l'ai pas joué. Bah, ah oui, aide-moi France, ça passe. On en est là quoi. YOLO. Oui, il y aura une rediff, Dan. C'est bête qu'on ne puisse pas envoyer les femmes à la mort en plus des enfants et des vieillards. Ouais, moi je trouve ce machisme est intolérable. Le Roumain est en train de m'envoyer tous ses stocks. Bah attends, c'est au moins ça me sert plus à rien. J'ai 4 mètres d'armes. On a fait la jonction. Oui, tu passeras pas toi. Après. Tu passeras pas toi. Laissez-moi passer. Oui, oui. Ça fait la jonction. Merde, ça a foutu la merde dans mon armée. Ouais, du coup là. Regardez mon armée ce qu'elle fait. Ouh. Mec, je suis en train de percer. Mais pas du tout, t'es en train de percer rien du tout. Bah regarde toi-même, regarde. Regarde à l'est, sur mon front est. Ouais, tu perces à un endroit.
Oui, mais le reste, il n'y a pas de division, forcément. Je peux pas percer là où il n'y a pas de division. C'est pas possible. Par contre, je me fais niquer mes avions qui restent. Ah oui, plus d'armes. Ah oui, j'ai perdu un chasseur. J'ai encore 60 000 de manpower. Ouais. Et la bombe nucléaire 31%. Putain. Le roumain m'envoie des trucs. Allez, plus. Mec, je t'envoie tout ce que j'ai parce que. Mais non, si l'eau. Réfléchis, Audrey. Si l'eau, en gros, il met toutes ses divisions chez moi, il va perdre sa capitale et au final, il va capituler. Mmh. Merci, Wargrim, pour ton abonnement. Là, ils sont tous emballés, ils ont vu un combat épique, là ils sont tous emballés. Bonsoir Squirk. On est en train de se faire défoncer si on peut appeler ça épique. Effectivement. En train ou avoir fini de se faire défoncer, c'est des fois qui en parlent. Moi je suis mort depuis un quart d'heure, je regarde la bataille depuis un quart d'heure. Mobilisation totale. Ah, on a débloqué les lunettes de vision nocturne. Mobilisation totale, cool. je vais mettre du bon gros métal derrière, histoire de... Mec, regarde comment j'ai défoncé quand même, je suis en train de les démonter. Et là, on a ouvert... on va reconquérir notre empire. Putain, tu vas voir qu'on va pas avoir fini. YOLO. Pas non, fini. Mais attends, moi je vais arriver à court de manpower avant. Moi, il me reste 43 000. Je peux pas vous envoyer mes 635 000. C'est pas possible, y a pas moyen. Ah, parce que moi ça me sert plus à rien, j'ai... On peut essayer de les nationaliser. J'en ai 250 sur un destroyer, 3000 dans l'armée de l'air. Combien de pertes? Voilà les pertes, Nils. 13 millions en face, 7 millions pour nous. 7 millions pour nous et 13 millions en face. Donc et on est en train de moi. Reprendre du putain de territoire. La Malaisie britannique qui avait capitulé... Elle reprend du poil de la bête. Ouais, grâce aux alliés. Parce que bon, je pourrais pas dire qui c'est. Il y a la Norvège, la Tchécoslovaquie, les Brésiliens, les Pays-Bas, la Belgique, le Canada, les États-Unis. C'est quoi ce plan que tu nous fais là? Pourquoi la flèche elle fait le tour de l'Europe? Bombardement atomique. T'as vu? Mec, t'as vu? On dirait que la flèche. Je sais pas. Premier bombardement atomique. Il est où? Merci Nils pour ton abonnement. Il est où le bombardement atomique? Gorky. Ouais, mais c'est où ça? C'est nul en géographie. Quoi? Il y a un bombardement atomique? Ouais. Ouais, à Gorky. C'est où? Je sais pas. Je vois pas le champignon. Regarde le Japon. Actuellement. Quoi? Non, regarde l'île du Japon. Bah quoi? Tu revois pas un problème? 300 tonnes de division dessus, quoi. Oh putain, oui. Le mec, il a tout foutu au Japon. Quand tu zoomes un territoire, il y a au moins une division dessus. Donc, faut qu'on trouve Gorky. Le mec, il veut pas aider ses alliés, par contre, il a tellement peur qu'il... Alors, je veux savoir où c'est Gorky. Ah, mais c'est... moteur fusée avancé. Gorky, c'est où? Si quelqu'un le sait dans les commentaires, qu'il le dise. Ouais, dites où c'est Gorky, si vous savez où c'est. Je vais regarder sur Internet, mais... Merde, ils ont percé un endroit. Mec, moi j'avance, hein. T'as vu ça? La percée du siècle. Gorkyville. Je sais même pas comment ça s'écrit. Comme ça se prononce, avec un K. Ouais, ce que j'ai dit. Mais moi ça me sort le nom de mec en fait. C'est en Russie. Ah, ok, les Russes ils se sont fait atomiser. À jouer, Gorky. C'est où Gorky? Ah, c'est Novgorod. Novgorod? C'est pas Novgorod. Tu vois le territoire japonais en Russie? Ouais. C'est juste à côté de l'Empire russe. Il y a une base aérienne à cet endroit. Ah ouais, là. Ah, je l'ai trouvé. Ah, je l'ai pas trouvé, moi.
Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça. Sur la pointe, ouais, sur la pointe occidentale de la Russie japonaise. La Russie japonaise, ça fait bizarre de dire ça quand même. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, donc c'est cette ville qui s'est fait atomiser ? Oui. Ouais. Okay. Bombardement nucléaire sur Gorki. De la part de cette équipe. Je sais pas qui a tiré par contre. Nucléaire. Ça me fait un peu peur de faire que quelqu'un l'arme nucléaire. Il faut pas que ça s'éternise parce que je me lève tôt demain. Ouais, je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est prendre toutes mes divisions, faire supprimer. Tu peux pas faire ouais. Ça. Si. Je peux très bien le faire. J'ai déjà supprimé mes divisions en Afrique. Et tu vas me regarder mourir, c'est ça? Ouais. Attends, mets en pause 2 secondes. Tu vas faire la même chose? Non, je vais faire une ligne de repli. Mec, tu tiendras jusqu'à la mort, quoi. C'est bon, tu peux remettre en cours. Chers amis, ma mort était prévue. Elle a été décidée par le choix du destin. Bon, je veux pas dire, mais grâce à ça, j'ai chopé du manpower. Allez, vitesse 4. Allez voir s'ils osent attaquer maintenant. C'est la question. Ah, le Japon, c'est une IA, donc il attaque un Japon. Ah, ça y est, ils ont réussi à débarquer. Ouais, ils passent au Japon. Non, ils vont prendre Budapest à cause de ces conneries. Attends, je t'envoie mes avions en France. Tu veux un bombardier nucléaire? J'arrive même pas à l'envoyer sur ton aérodrome. Elle est où d'ailleurs ta bombe nucléaire? Non, ma bombe nucléaire elle est qu'à 50%. Ah, sachant que je vais perdre mon territoire, la bombe nucléaire. Mec, ils attaquent pas! J'ai plus de division, ils attaquent pas! C'est ça. Ça veut rien dire. Ah, si, ils avancent quand même. Putain, ils m'ont encerclé. Jusqu'au dernier homme, monsieur. Ça y est, ils avancent, ils ont compris. Ça a l'air. Moyen quoi. Mec, c'est les divisions vénézuéliennes qui sont en train d'attaquer chez moi. Ça veut rien dire. Je vais finir par avoir la bombe nucléaire pour pouvoir la lancer tellement ils attaquent pas. Ah si, ça y est, ils avancent. Ils ont compris, ça y est. Bon, quand ils vont prendre Belgrade, je vais capituler moi. Désolé Audrey pour le Nightbot, il est vénère. Il aime pas quand on met 3000 caractères identiques à la suite, en plus en majuscule. Bon, mais ils ont pas l'air de vouloir attaquer. Par contre, je suis en train de prendre tous les B17 à la gueule. Parce que chez nous, ils attaquent. Bon, sérieusement, je vais vous laisser là, moi, parce que... Okay. Je commence franchement fatigué. Bon, de toute façon... C'est bien fini. Acceptez-vous que la Roumanie et les Joannières soient jouées par une IA? Ah, ça y est, j'ai capitulé. Ah. Au moment où je pars, mais c'est une blague. Bon, ben, je pense qu'on va relancer la recherche des lance-roquettes, ça me paraît bien. C'est le bon moment, surtout. Allez, France, c'est la fin. Jamais. Le mec il va se battre jusqu'à la mort quoi. Je suis en fond de tiroir mon gars. J'ai perdu 1 million d'hommes dans cette guerre. Hein? Pourquoi l'Empire américain libre il a un bout de mon territoire? Okay. What? Il a un bout du territoire en Albanie. Bon. Ne vous laissez pas faire messieurs. Oh, mais... Ils prennent petit à petit mon territoire. C'est la fin.
Bon, plus sérieusement, je vous laisse là, moi, parce que dodo. Bonne nuit. Ok, donc, bye bye tout le monde. Au revoir. Bonne nuit. Ouais. Bon, allez, Franz, te rends-tu? Faudrait qu'il vienne ramasser mon cadavre. L'Empire russe a capitulé. Non. Ah, c'est les États-Unis qui ont pris un gros. Genre le Canada. D'accord. Et les Japonais qui se sont fait encercler, ils vont perdre masse de division. Du coup, il reste qui avec toi? Le Japon. Le Japon, le Siam, le Pérou. Putain, on va aller commenter les batailles du Pérou. Le Pérou qui est en train de se faire démonter. Par contre, le Japonais, là, il va perdre énormément d'hommes. Pérou a perdu 260 000 hommes. Comment? Je ne sais pas. Pérou, il a presque perdu plus d'hommes que moi, quoi. Mais toi, t'as perdu rien comme homme. Ouais, t'as vu? C'est quoi qui a perdu des hommes ici? Oh, mais mec, j'ai encore du territoire! Où ça? Je peux construire des trucs nucléaires! En Afrique, tiens! Salut Napoléon, on t'arrive à la fin. Oui, il y avait un coup d'état sur la France du. Bah, il est encore en cours d'ailleurs. Du Roumain. Et il se fera le 20. Oh putain, mec! Le coup d'état sur la France, il va se faire dans 10 jours. Il y a un coup d'état sur la France? Ouais! De la part du Roumain. On en est à ce point-là, quoi. Et peut-être qu'ils arriveront un jour à prendre la capitale. Ouais. S'ils ont, ils ont plus d'une division, c'est peut-être faisable. Oh, tes trucs sont en train de prendre un mort dans la gueule. Oh, ils sont en train de te percer partout. Ils en peuvent plus, mes hommes. Mais ils sont bien battus. La Grande Hongrie mène une politique de pré-bail auprès de la Roumanie et d'Espagne. Si seulement. T'envoies des armes à l'Espagne, quoi. On peut pas réclamer la paix. La question, c'est est-ce que tu vas capituler avant le coup d'état en France? Non, je pense pas. C'est con, à 3 jours près. Tu me mets au défi de tenir 3 jours de plus? Ouais. Ouais, Napoléon, okay. T'arrives à la fin, vraiment à la fin. Hein. C'est-à-dire que le Roumain vient de capituler, enfin, à capituler, et moi je viens de capituler, et le Hongrois va pas tarder à capituler. Moi je capitulerai pas. C'est compris ça? Le Hongrois, il résiste encore, le Hongrois, il est qu'à 13% de capituler. Ah! Oh! Putain, le lag. C'est ce qu'on appelle un bon. Oh putain, le mec il a deux. Pourquoi il est rose? Violet? Ouais bon, laisse tomber, le mec il a 3 divisions. Pourquoi il est noir le mec? Mec il est noir le mec qui a fait le coup d'état. Il s'appelle Guillaume de Castellane. Tu veux dire qu'un noir soutient un coup d'état fasciste? Ouais, en France. Ah c'est logique. Avec la logique quoi. La Roumanie a appelé l'état français. Il va se faire démonter. Ah oui, parce qu'en fait, votre gouvernement, il est chez moi, maintenant. Ben oui. Oh, il va se faire démonter par l'Allemagne. Mec, il a 3 divisions, quoi. Quoique, contre l'Allemagne, il a la ligne Maginot. Bon, il est déjà en train de perdre Vichy. Ah, c'est la fin, là. Oui, la 8ème armée, elle arrivera dans leur dos. Ouais, la 8ème armée. Ah, regarde, j'ai ma 8ème armée qui arrive dans leur dos là. Enfin, c'est plutôt eux qui nous foncent dessus, mais. Putain. Regardez combien ils tiennent Budapest. C'est là où on va prendre le plus de morts. Il a dépassé le million.
T'as les États-Unis qui ont 3 640 000 morts. Ils ont dépassé les 14 millions de morts. Pour. Steiner va arriver par l'Est et tenez bon. C'est bien de rêver, les amis, c'est bien. On en parle du français qui a des hagots. Quoi? C'est des hagots, ça. Il faut dire, mes visions de char, c'est les chars russes, alors. Ils sont en train d'abattre mes derniers hommes dans les collines. Ouais, je vois ça. Tu tiens encore Vienne. Ouais, il va prendre petit à petit à la tronche. Allez, contre-attaque! Reprenez Jérusalem! Je remercie les 15 personnes qui se sont abonnées durant ce live. 15 personnes? Ouais, j'étais à 533 au début du live, je suis à 547. Non, 14. Ça, c'est parce que la partie est incroyable. C'est ça. Et regarde un peu cette. Pourquoi il est noir, le fasciste français? Parce que fuck la logique! Moi aussi, je trouve pas ça logique, c'est un fasciste, putain! Si c'était un fasciste sur un pays africain, je veux bien, mais. C'est en France! Je veux dire, le mec qui soutient la politique d'expansion coloniale française. L'État français a capitulé. Bah, il a pas duré, il a pas duré longtemps, pas plus d'un mois. C'était la 4ème République. La France est garantie par l'Angleterre. Merci Camille Sama pour ton abonnement. Du coup, je suis passé à 549. Putain, il y a encore des divisions qui vont se faire laminer là. J'ai pas envie de voir ça. Allez, vous rentrez chez vous. T'as supprimé les divisions? Rentrez chez vous. J'ai pas envie de voir ces braves hommes mourir. Allez, la Hongrie est à 39% de capitulés. Putain, j'avoue, putain, tu résistes, hein? Il s'est fait atomiser! J'en ai tellement peur! Ah, oh, c'est bon! Oh putain! On a pris mon nucléaire, putain! Putain, c'était beau! Oh, ils t'ont niqué toute ta construction qui te restait! Oh. Par contre, ils attaquent pas en mode bas les couilles! Non, c'est bon, ils vont attaquer, pas moi! Tu sais que j'ai encore des avions, hein. Oh, il y a 1000 avions dans l'aérodrome du coin. Non, c'est l'initiative diplomatique des Balkans. À coup de bombe nucléaire. Les mecs, ils se réveillent après le combat, tu sais. On a tous capitulé, ils font l'initiative des Balkans. Allez, fuis, c'est moi. Mais allez, attaquez, putain, là. Ça, ils auraient même pas attaqué. Ils vont encore avoir des morts, quoi. Oh. Ah, ils ont pris une région, ça y est. Vous voyez ce qui vous attend, ceux qui font un GPO? MDR, c'est quel... Mec, je suis en train de me prendre les pressions britanniques. J'ai des événements. Winston Churchill a récemment lancé une offensive diplomatique dans la région des Balkans. Cela s'est en partie fait au cours d'une réunion privée qu'il a tenue avec notre ambassade à Londres. Au cours de l'entrevue, il lui a demandé notre position vis-à-vis de l'Allemagne. La République d'Allemagne, a-t-il relevé, représente une bonne part de nos exportations de biens manufacturés, avant de poursuivre en disant que nous ferions bien de réduire notre dépendance envers elle. Mec, je suis mort, je n'ai plus de pays. Et l'Allemagne n'est plus un problème. L'Allemagne fait partie de ta faction, dois-je te le rappeler.
Ça les arrive pas, hein. Là, j'avoue, ils percent pas, quoi. Ah si, ça y est. Ils percent à l'aéroport. Bon, je vais détruire mes avions. Voilà. Enfin, je peux pas les détruire, mais... Je les ai sortis, quoi. Ils servent à rien. Putain, tu gagnes. Ça, c'est la puissance du bonhomme. Voilà. Bon, le Japon, hein, tu... T'es mignon. T'es mignon, mais tu vas mourir, d'accord ? Putain, le Brésil qui débarque en Corée, quoi, encore. Ah, ils ont débarqué au Raj britannique. Ah, ils commencent à débarquer partout, ça y est. Regardez, et mec, regarde le foutoir que c'est en Afrique. J'ai des trucs partout encore. Allez, oh mec, l'Empire britannique, il existe encore. Où ça? En Afrique. Il a un morceau de province défendu par le Mandchoukouo. Il est en train de perdre. Ah ouais. Au début, je croyais que c'était l'Ethiopie. Et après, je me souviens que l'Ethiopie faisait pas partie des alliés. Allez, mets en vitesse 5. Qu'ils finissent ma capitale. Ça y est. La fin d'une partie. La fin d'une grande partie. Ces derniers hommes défendent le Reichstag. Contre des Allemands, des Tchèques, des Yougoslaves, des Tchécoslovaques. Et des Américains. Des Américains. Des Polonais. Et des bombes nucléaires. Et des bombes nucléaires. Ça y est, les derniers paras, ça y est. Et tu capitules pas ? Ça y est. Ah, quand même. Mais du coup, il y a le Japon. Oh, et c'est quoi le Japon ? On te laisse à ton désespoir. Adieu. Adieu Japon. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour ce live qui a été quand même magistral, il faut se le dire. On s'est bien éclaté. On s'est bien fait éclater, ouais. On s'est bien fait éclater aussi. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé, de vous être abonné, n'oubliez pas de laisser un like. C'est important pour le référencement. Et moi je vous dis à la prochaine.